Bonsoir, Monsieur Voyas. Salut tout le monde, bienvenue. Pour une poignée de pièces d'or, nous allons continuer ma campagne de Innistrad Renaissance. Mais d'abord, message d'intérêt public. Pour les mois de juillet à septembre, on est en association avec Miel Montréal, qui est une coopérative à but non lucratif ayant pour mission l'éducation à l'importance des pollinisateurs, la création d'habitats favorables à la diversité et la promotion des pratiques apicoles responsables en milieu urbain. Pour faire un don, vous pouvez aller dans le bas de votre écran d'ordinateur, scroller dans le fond, puis il va y avoir un petit lien pour aller faire un don. Ensuite, une fois le don fait, vous pouvez nous dire dans le chat l'incitatif correspondant à votre don que vous voulez qu'on active. Sinon, vous pouvez aussi toujours le faire hors ligne et nous messager, j'imagine. Puis, sur mobile, vous pouvez toujours comme cliquer sur le vidéo qui se déroule en ce moment, sur le logo de Pupo, amener genre sur About, je crois, à propos, ouais. Puis le lien devrait être là. Et le même processus se fait aussi là. Duke. Est-ce qu'on a des petits messages, des petites annonces? Pas pour l'instant, à part que la playlist va être cette semaine à place de la semaine passée. Ben, c'est ça, tu sais, 4 joueurs, 6 semaines de game, là. C'est pas grave. C'est ça, ça ressemble à ça. Ouais. C'est mieux manquer en plein milieu qu'à la fin de faire comme on a tout utilisé dans ce temps. Ouais. Donc. Précédemment dans Illustrad Renaissance, Smash Cut, vous aviez suivi une route presque interminable à travers la forêt de Ulvenwald. Et puis, vous aviez entendu des bruits de loups, et ensuite un immense hurlement à la distance qui a comme amené la forêt à un silence quasi complet. Par contre, c'était un peu dans la direction où vous alliez. Alors, au lieu de... C'est ça, vous avez roulé toute la nuit derrière la diligence de l'agent Schmidt avec ses trois gardes du corps pour finalement arriver... En fait, même pas arriver, excuse. Un bel incident qui est arrivé pendant que vous rouliez. Quelqu'un a utilisé un Wild Magic Surge. Kylar a été capable de lire dans l'esprit, dans la tête de Victor et Ingrid, celle qui lui a causé un grand mal. On a découvert quelques petits trucs à propos de Kylar. Puis, c'est ça. Pendant que le trajet se continue après ça, vous êtes arrivé le matin... Très tôt, le soleil fend à l'horizon. Et puis, dans le fond, oui, ça, après ça, vous aviez finalement réussi à trouver un endroit où camper qui était, dans le fond, les restes d'une petite demeure. Deux murs en pierre avec un petit plancher, puis vous aviez découvert une trappe autour de cette baraque, des restes de cette baraque. Je crois que... je me rappelle plus c'est qui avait trouvé les traces, c'était... Ouais. C'est Kylar. Kylar avait trouvé des traces dans la forêt, ainsi que des arbres comme déplacés, là, comme s'ils avaient été poussés, avec des égratignures, un petit peu de poils pris dans l'écorce, ce que Ingrid a pu identifier en tant que poils de loup. Qui est une chanson, une piètre copie de la chanson Cœur de loup. Well done. Et c'est ça. Là, je crois qu'on avait arrêté à plus ou moins ce point-là, alors que Victor, à la cabane, au reste de la baraque, avait trouvé une trappe à l'extérieur, comme un cellier là, qu'on retrouve à l'extérieur d'une demeure.
Elle avait simplement ouvert la porte qui grinçait. Un escalier à pic se trouvait à l'intérieur, puis dans le fond, de l'eau stagnante. Ouais. C'est bel et bien ça, n'est-ce pas? C'est exact. Et... D'accord. J'avais pas beaucoup de sources de lumière. Oui. Et je me suis rappelé cependant que j'avais un porte-chandelle. Mm-hmm. Et pour aller dans le thème de l'horreur, je vais me raviser. Je vais prendre le porte-chandelle unique. Et... Ça, c'est quelqu'un qui veut l'inspiration, ça. Non, c'est quelqu'un qui trouve que c'est vraiment un meilleur... Ouais, une meilleure idée que d'attendre les autres faire comme « J'ai peur, je veux pas y aller. » J'ai besoin que tu me fasses light. Je comme no. Ouais. Ouais. I wanna go down there alone. Ça fait penser à les movie scream. Oh hello, oui. Hello. I'm gonna get naked, take a shower. Ben, juste tantôt, j'écoutais, je pense, dans saison 3 de The Orville. Ouais. C'est un épisode un peu comme Alien, puis ils ont juste des flashlights. Ouais. Oui. Alright. Fait que. Moi j'ai une chandelle. Ta chandelle. Ouais. La fixe dans le petit porte-chandelle. Qui est genre un truc en fer forgé, j'ose croire. Ouais. Oui, c'est ça. On avait trouvé ça dans le moulin, dans les bureaux. Et c'était la seule source de lumière que j'avais. J'étais juste sur Oui. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pas un candlestick, c'est probablement juste un truc genre que tu déposes sur une table et tu l'amènes avec toi. Oui, c'est ça, c'était dans la bibliothèque, j'avais juste pris ça. Vrai. C'est quand même quand tu joues à 6 mois d'intervalle. Ouais. 8 mois d'intervalle, mon cas. Très bien. Alors, tu allumes cela et tu descends tout de suite. Et je vais cependant le faire, même si j'ai une chandelle, de façon relativement discrète. Là, je veux dire. Très bien. Donc, petit texte ici. Oui. En bas de l'escalier à pic se trouve une pièce de 10 par 10 par 7 pieds de haut, dont le sol est recouvert de 1 pied d'eau stagnant. Là, dans le fond, ta chandelle a fait un 5 pieds de lumière, fait que tu peux éclairer comme la zone autour de toi à la fois. Ouais. Mais n'empêche que... ça de même pour l'instant. C'est ça. Là, dans le fond, l'escalier tourne. Tu te retrouves déjà dans un coin. Puis, avec la chandelle, tu vois qu'il y a une poutre au centre. Ben, une poutre à ta droite, qui est forcément le centre. Qui retient le plafond. Au-dessus de toi, il y a un travers qui va devant toi et un travers qui va à côté de toi, qui rentre comme dans le mur de l'escalier, en dessous d'une marche. Puis, de là pendent des plantes séchées, mais comme un petit peu moisies. Les travers en tant que tels sont recouverts de filaments. Ok. Des filaments épais, ça a l'air d'être un type de plante. T'es pas certain. Ok, c'est des plantes, donc c'est pas comme des fils d'araignée, là, c'est des filaments de plantes. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais dit des toiles d'araignée ou quelque chose. Ok. Ouais, c'est vraiment comme plus épais que des toiles d'araignée. Ouais. Ok. Ça pend comme un pied. Fait que t'es safe là, si tu mesures pas 6 pieds 5. Ouais. Et là, c'est ça, il y a des plantes. Et les plantes sont-elles sèches? Sont-elles. Ben, c'est ça, les plantes. Il y a des plantes qui sont accrochées littéralement pour sécher. Là, tu sais, le motif étant de sécher ces grappes-là, ces bouquets. Ouais, c'est ça. Mais à cause de l'humidité enfermée, là, l'eau stagnante qu'il y a dans le bas, ça n'a pas séché. Enfin, c'était déjà sec. Ça s'est comme remidifié, fait que c'est... Ça a séché brun.
Ouais, c'est ça, exact. Ça sécherait. Ça tu mal sais bien plus que moi. Ouais, ben c'est ça. Tu cherches pas à avoir une... ce genre de... Ça, ça, en le fond, c'est comme si ça aurait de la pourriture qui aurait séché, tu sais. Voilà, c'est ça. ok, et devant moi, pour le peu que je suis capable de voir, mm-hmm. est-ce que je vois la fin de cette pièce-là ou c'est uniquement la... Ben, c'est ça, dans le fond, là, dans ta case, parce que c'est un, une chandelle de 5 pieds, un éclairage de 5 pieds. Dans le fond, c'est ça, t'as descendu l'escalier, puis la trappe elle-même faisait un 5 pieds, fait que t'as réussi à passer en dessous. Là, ça tourne, rendu au coin. Puis, c'est ça, dans le fond, devant toi, passer la distance de ta visibilité, c'est un peu sombre. Vu que t'as la chandelle devant toi, là, c'est un peu ébloui, mais sinon, tu vois comme des petits reflets ici et là, des petits points de reflets métalliques, là, comme. Okay. Je vais rester un temps avec cette lumière-là, en mettant les pieds dans l'eau tranquillement. En fond, ce qu'il va faire, c'est... Victor avance lentement et glisse ses pieds tranquillement dans l'eau pour... Mm-hmm. Ça a plus l'air instinctif que vraiment être volontaire sur le coup. Mm-hmm. Et ses premiers mouvements sont principalement de passer justement cette chandelle mm-hmm. Près de ses herbes pour les observer. Okay. Est-ce que avec leur état, je serais capable de les identifier, peut-être en les sentant, en griffonnant un peu le feuillage? C'est fort possible, tu peux me faire un nature. I will do that! Ouais, ouais. Les jets de la soirée. Un 7! Augure bien. Ouais. mais... Pour le DM. Mais comme je te dis ça de même, mais comme t'es descendu avec une chandelle plutôt qu'une source beaucoup plus puissante qui va juste faire comme... Moi, je vais descendre avec mes halogènes. je peux te conférer une inspiration pour ce mood enhancer. Oh, yeah! Ouais. Je vais le prendre pour le mood enhancer. Poutou! Way better! À côté de la musique de Marvin Gaye, Mood Enhancer. Donc, c'est ça, j'ai mis du Marvin Gaye pour identifier les plantes. La première, probablement, qui était trop pourrie et ouais, séchée. Ouais, c'est ça, t'es venu pour. T'es venu pour prendre une odeur. T'sais, gratter, prendre l'odeur, puis ça c'est juste tombé en poussière. Tout le feuillage s'est ramassé à la surface de l'eau. Puis les tiges, je te dis absolument rien rendu là. Toutefois, il y a un autre bouquet juste à côté, plus proche du centre de la pièce, que tu peux identifier. Juste en regardant mon document. Dans le fond, c'est ça, tu vois une dans le fond le bouquet, les fleurs sont en forme de cloche. OK. Et puis, t'es capable d'identifier à partir de juste cette fleur-là, toute la forme de la fleur et tout ça, tu sais que c'est du Dead Man's Bells, les cloches de l'homme mort. OK. Ouais. Ça sonne pas comme une belle fleur pour faire du thé, you know? Non, c'est loin d'être du Dust Willow. Ouais. Mais ça, dans le fond, avec ton 21, t'es capable d'en dire plus encore. Là. Tu sais que c'est une... ben, avec le nonce, le joueur peut facilement le déduire, là, mais c'est une
une plante vénéneuse, en fait. Ok. Ouais. Lorsqu'ingéré, c'est dangereux. Ok. Propre à lui-même, évidemment, il va juste... Qui tient du Dead Man's Bell ici? Et qui en aurait besoin? Et pourquoi? Il va juste momentanément garder la chandelle sur un escalier, l'escalier derrière lui, la marche en fait. Oui, oui. Prendre son couteau avec le restant du Dim Light et juste couper le bouquet qu'il y a. Mm-hmm. Okay. Et le mettre dans peu importe ce que j'ai sur moi, là, que je vais trouver. Sûrement le mettre à même le kit d'alchimie. Petite fiole, des affaires normales là-dedans. Mm-hmm. Donc, ça serait probablement ça qu'il garderait. Puis, c'est ça, dans le fond, comme tu t'es approché du centre de la pièce à cause que justement le bouquet était plus proche de la poutre. Ah, ok, ouais. Dans le fond, tu remarques que derrière la poutre, il y a une table qui va comme ça. Ok, ouais, Ok. Mm. Donc, ça serait probablement plus sur la table alors qu'il progresse dans l'eau stagnante. Ouais. Donc, pour agripper ça. Et en déposant, en faisant le mouvement de déposer cette chandelle sur la table, est-ce qu'on aperçoit quelque chose sur cette table qui est maintenant éclairée? Donc, le côté devant toi de la table, il a l'air d'être dans un angle un peu étrange. Puis, c'est ça. Donc, sur la table. Une table de travail surchargée d'objets et de détritus tient de façon précaire sur la poutre. Sur la... OK, la table tient sur la poutre. La table est à côté dessus. OK. Il y a des trucs qui ont comme glissé vers le centre. Okay. Mais pour la plupart, tu sais, l'angle n'est pas assez prononcé pour que ça sacle le camp dans l'eau, dans le fond. Ok. J'imagine que en voyant que la table est à un angle, tu regardes comme pas mal la zone autour. Oui, ben. Ce qu'il va faire, c'est justement. Il va prendre la chandelle qu'il avait sur la table et la descendre au niveau de l'eau en essayant de suivre de l'œil les feuilles émiettées du premier bouquet. Mm-hmm. Voir s'ils ne s'en vont pas en quelque part qui est une dépression. Ouais. Qui expliquerait justement pourquoi la table est si penchée. Comme tu descends ta chandelle, tu remarques que... les pattes de ce côté-là sont vraiment moisies à partir de comme 6 pouces en haut du niveau de l'eau. Ok. Plus d'eau ici avant. Puis tu peux voir comme juste en dessous de la surface le bois a comme cédé dans le fond. Fait que c'est pour ça que c'est à côté sur la poutre. Ok. Tu peux même faire un petit jet de perception. Attends, c'est quoi ton passif? Passif est de 15. Mmh. Ok. Avec ton 15, tu remarques aussi que juste à la même hauteur, la poutre, sa structure, elle a été atteinte aussi par l'humidité. Ok. Donc tu vois juste, Thor observe la poutre, fait comme... Il vaudrait mieux pas que je reste trop longtemps ici. Juste regarder la poutre et, et ne faisons pas trop de vagues. Pour ce qui est des flocons de feuilles sur la surface de l'eau, ils ont l'air de rester un pas mal sur place. Puis pas de pas, y a pas il semble pas y avoir de courant vraiment. Il y a juste toi qui déplace l'eau avec tes pas. Ok. Ok. Qui est derrière de ton manteau, bien sûr. Ouais. y a-t-il
Y avait-il quelque chose sur la table qui était pertinent ou c'était juste comme du rubble pis des... Sur la table. Et sois sens-toi entièrement libre de passer aux autres quand tu veux. Ben, je décris qu'est-ce qu'il y a sur la table puis ensuite je passe à l'autre. Donc il y a la table est en dessous d'un un travers au plafond et puis il y a beaucoup de plantes qui ont tombé de leur cordage pour s'effondrer sur la table. Mais en dessous de ça, il y a des poches en cuir un peu partout, pas fermées nécessairement. Il y a des cisailles, des gants en cuir, un mortier, puis des petits pots en verre avec avec ben de la poussière dans le fond. Donc en somme, un kit d'herboristerie. Oui. Je préfère le décrire de même que dire c'est un kit d'herboristerie. T'as un kit d'herboristerie, fait que c'est une boîte avec une plante dessus. Que tu mets une plante dans le scanner, ça te dit exactement c'est quoi. C'est ça. Mais j'aime beaucoup ta description. C'est très... Ouais, j'aime beaucoup ça, c'est très coloré. Faut juste aller dans le Xanathar, lire qu'est-ce qu'il y a dedans et faire. Voilà, ouais. On va trouver ça. Nice. Donc, Victor va prendre ce qui est en bon état, le rassembler comme il peut dans une des poches. Et ouais, il y a un petit truc en cuir à l'autre bout de la table. Mais okay. En fait, quasiment comme un plan de travail, là, où est-ce que tu travaillerais, le rouleau de cuir qui est dérobé. Là. Ok. Oui, il va reprendre ça et soigneusement placer ça un peu avec comme une, disons, acuité scientifique. Une minutie plutôt. Avec un toc. Okay. Oui, c'est ça, avec un toc. Ouais. C'est vraiment. Je voulais pas aller là, mais oui. Ouais. C'est plus vraiment comme le couteau, il est super bien placé, les fioles sont toutes alignées. Ben, c'est excellent qu'il prenne son temps parce que ça veut dire qu'on peut passer aux autres. C'est ça. Juste comme, non, le couteau il est assez shiny, je vais le replacer là. Ça. Non, c'est pas bon ça. Donc, vous deux, vous étiez dans la forêt, Ingrid et Kyler. Ingrid, tu venais juste d'identifier le poil comme étant un poil de loup. Les marques sur les arbres, il y avait une balafre sur l'arbre de façon horizontale. Qui était à comme 7 pieds de haut, je crois. Il y a des immenses traces dans la litière forestière. Des traces quand même grosses, dans le fond. Je pense que j'avais dit grosse comme ton torse, toi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Je me rappelle pas, est-ce qu'on avait identifié si cette créature était... bipède ou quadrupède? On ne l'avait pas fait. Je vais juste scroller ici. Je sais pas c'est quoi ton dernier jet. Il sera pas là. Ah, c'est vrai. Tout. Mais check donc dans ton dice tray, c'est quoi ton dernier jet? Ouais, ça marche. Mais il me semble que il avait été quand même assez bon parce que t'avais dit avec ton jet, je peux même te donner tout le paquet. Donc t'avais rajouté comme le poil, les traces. Oui. T'avais dit les traces sont très angulaires. Oui. Qui était comme le supplément que tu rajoutais. Là. Ouais, c'est ça. Ben dans ce cas-là, oui. De la façon que les traces sont réparties, c'est un bipède. Oh. Oui. Oh. 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 Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que ça serait plus inquiétant un quadrupède qui laisse des marques à 7 pieds de haut. Aussi. Ben, les deux les sont... Deux. Oh, les deux foutent la chienne! Ouais, exact. ok. Bon. On va... Je crois qu'on vient de trouver la source
des rumeurs de créatures dans la... Dans ce secteur de la forêt. On a ici affaire à... que je crois être un loup. Il se promène seulement sur ses pattes arrière et qui mesure environ 7 pieds. Au moins 7 à 8 pieds de haut. Il se fait assez musculaire aussi de déplacer des arbres. Oui, oui, cette créature serait très forte. C'est là, pas déjà sur une mission, je dirais on devrait le chasser ce jour-ci. Non, je crois que la mission peut attendre une journée et on devrait chasser cette créature tout de suite. Tu vois que Kyler comme regarde dans le vide. Puis il te regarde comme face à face. Oui. Oui. On devrait tuer le monstre. Oui. Puis tu vois, ok, il commence à comme... Sa voix est un petit peu raspée, genre. On va finir par se comprendre, Kyler, je crois. Et là-dessus, je vais retourner vers le campement. Ok. En prenant note de la direction vers... Ouais, forcément. Général, vers la créature. Ouais, ben c'est ça. De toute façon, t'es plus organisé en forêt qu'ailleurs, fait que... C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, puis j'imagine que Kyler suit, là. Ouais. Ouais, tout à fait. Je suis peut-être certain, là, qu'elle s'en aille pas, puis lui reste là. Non, Kyler, juste... Genre, ils reviennent deux jours plus tard, t'es encore là. ouais, donc vous faites votre chemin pour retourner au camp. Rendu là, ça prend comme 15-20 minutes de revenir. C'est ça, dans le fond, là, votre charrette, la diligence, le petit tipi est monté aussi. Le tipi est monté entre la diligence et le mur bas. Parce qu'il y a un mur haut comme ça aussi, là, qui indique le pignon de l'ancienne demeure. Puis c'est ça, dans le fond, j'imagine... Moi, je visualise que la charrette est au coin du mur haut, dans le fond. Puis ces deux murs-là, ils n'existent pas. C'est bon, ça a du sens. Mm-hmm. La trappe... que Victor a trouvé, si je ne m'abuse, ouais, derrière le petit mur. Je pense que c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, vous arrivez, vous voyez le setup. Aurora s'est occupée, en fait, est en train de s'occuper de vos chevaux. Elle a l'air d'être dans une discussion en tête à tête avec Oak, avec les deux mains chaque côté de la tête. Puis elle est juste penchée dessus, elle essaie de l'amadouer, j'ose croire. Là. En fait, c'est ce que vous vous dites, là. C'est pas moi. Moi, j'ai une bonne idée de qu'est-ce qu'elle fait. faut pas que je laisse tomber l'illusion que je sais ce que je fais. oui, c'est ça. Fait que. Puis c'est ça. L'autre camp, dans le fond, dans l'autre camp, c'est ça, c'est l'agent Schmidt qui s'est assis sur sa marche puis il est en train de lire un journal ou quelque chose comme ça. Pas un papier journal, mais son journal. Il est en train de prendre des notes. Et puis c'est ça. Puis les autres sont dans leur tente à dormir. Ok, il dort. Mm-hmm. Moi, je pense que Aurora aussi avait... C'était la seule qui avait pas dormi de la nuit, donc elle voulait se reposer pour les prochaines heures. C'était... Mm-hmm. Oh. Victor, il est où, là? Est-ce qu'il est... Avec tout le temps qui s'est passé, est-ce que Victor est sorti de la trappe? Non, pas encore. Pas encore. Okay.
J'ai aucune idée, mais... Mais, et d'ailleurs, je crois que vous savez pas qu'il y a une trappe, right? Non. C'est ça. Je pense pas, non. Non. Non, on peut faire un petit tourné. Faudrait avertir les autres aussi que... Peut-être on va aller chasser un monstre, puis... Oui. Je pensais peut-être même recruter Humboldt. Voir s'il a envie d'aller chasser avec nous. Pas une mauvaise idée. Mais bon. Avant, on doit trouver Victor. Je sais pas, il est où. Je tiens à mentionner que la porte est maintenue ouverte par une crowbar. Fait que c'est encore plus drôle parce que... Attends, dans le fond, elle est maintenue ouverte comme ça, genre? Ouais! Nice. Fait que c'est encore plus drôle parce que... ben, en tout cas, dans ma tête, c'est encore plus drôle parce que dans le fond, t'avais la porte, t'avais ton porte-chandelle sur le bord, tu descends, tu refermes avec la crowbar, puis tu prends ton porte-chandelle, tu descends. Ouais, c'est ça, c'est exactement fait que t'es à, ça que j'ai fait. T'es à ça d'être emprisonné. Genre! Fait que Kyler va donner un coup d'œil pour regarder notre campement, s'il y a de quoi différent de quand on l'a laissé. Là. Il y a pas l'air de... Non, il y a rien de... Non, clairement pas. Un bon 19... Même si, si je prenais pas les crits 19, c'est bien assez pour voir que... tout a l'air conforme à... Tout a l'air de la même chose, de la même façon que tu l'as laissé. Quoique maintenant, la tente est montée au complet, puis les trois dorment. Mais sinon... Le petit diorama que je vous ai dépeint est intact. Là. Ouais. Okay. Donc, on voit la trappe ouverte. La trappe est l'autre bord du mur. Dans le fond, vous arrivez comme si c'était un plateau de pièces de théâtre. Okay. C'est derrière, dans le fond. Fait que Kaler va juste faire le tour. Regardez comme Victor. Ben, ton 19 de perception encore là, tu fais le tour, puis tu vois très bien, il y a comme des buissons derrière le petit rempart, le petit mur. Il y a des buissons qui ont été comme poussés, puis quand tu arrives devant, tu vois comme juste une trappe qui est au sens large dans le fond, fait qu'elle dépasse très peu, elle dépasse comme de 5 pieds, de 3 pieds, mais 5 pieds de long. Puis ouais, ça, il y a une crowbar parce que la trappe lève vers le mur. Ok, parfait. Fait que... T'entends. Que dalle là-dedans. Dans le... Quoique... Ah non, attends. Fais-moi un jet de stealth, Victor. Je peux faire un jet de stealth. Oui. Fait qu'avec Thaumaturgy, Kyler ouvre la trappe. Juste comme instantanément. Fait... Boum. Victor, t'es-tu là? T'entends comme la voix de Kyler, comme Victor va marcher jusqu'à l'escalier. Tu vas commencer à voir une lueur orangée commencer un peu à inonder doucement. Orangé. Et tu vas assez rapidement voir la tête de Victor avec une chandelle qui... Je suis ici, Kyler. Il semble être un herboriste qui habitait les lieux. Je n'ai pas fini de chercher l'ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider pour le campement. Non, arrête là. C'est pas important. De trouver un monstre dans la forêt. Il a déplacé les arbres. Il y a la fourrure d'un loup. Faudrait qu'on le tue. Laissez-moi un instant. Et tu vois juste momentanément cette lueur qui fait juste comme vaciller dans son œil. Et lécher la pointe de son chapeau. Et il retourne à l'intérieur pour faire un tour un peu plus rapidement des lieux. D'ailleurs, qu'il a vu la table. Ouais, d'ailleurs, quand Kyler a ouvert la trappe, elle est restée coincée dans la rouille.
de ses pentures. Ok. Puis la crowbar, elle sacré le camp en bas des marches. Plouf. Ouais. Il va, tu vois juste comme la main de Victor qui grab, tu sais, la crowbar. Tu vois sa tête qui se retourne vers toi, comme... Je voulais laisser ouverte un instant, s'assurer qu'il ne se ferme pas sur moi. Pas trop. Merci. Puis tu l'entends continuer de marcher un peu plus loin, puis plus rien. Puis avec son voix toujours genre haute, Kyler exclame: Ingrid, j'ai trouvé Victor. Ok. Ingrid est genre assise. Tout le monde dans les camps, c'est comme qu'est-ce qu'il fait? Ingrid est assise dans la charrette, est en train de vérifier son arc, checker si ses dagues sont bien effilées, puis juste vraiment elle se prépare pour la chute. Elle regarde les pointes de ses flèches, là, les plumes, voir si elle va pas. Elle est en train de gear up. Puis quand t'entends ton nom, qu'est-ce que tu fais? Elle va juste comme en prendre note. Puis elle va faire comme d'accord, mais genre elle va pas aller le rejoindre. Okay. Rien. Elle va d'accord. Comme... Elle continue ce qu'elle faisait. Fait que tu démontes ton arc, tu checkes s'il y a de la poudre pognée dedans, tu n'es pas tout. Ouais, c'est ça, elle est en train de... Elle défait la corde, elle regarde s'il n'y a pas de cochonnerie dessus, elle la raccroche. Elle goûte la corde. Ouais, c'est ça. Peigner l'empennage, là. Ouais. Elle a un petit peigne à moustache, là. Ouais, ouais. All right. Ouais, fait que Victor, t'es dans la trappe à nouveau, dans le cellier, là. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça, t'as exploré ton... C'est quand même le plus petit dungeon que tu pourrais jamais faire. Une pièce, mais 4 carrés. T'sais. Oui, c'est ça. ouais, fait que c'est ça, t'as exploré ton premier carré. T'as checké sur la table. J'ai oublié de mentionner, pendant que t'es en train de checker sur la table, à ta gauche... dans le fond, tu vois où ce que les petites lueurs métalliques étaient. C'est une étagère avec quelques livres dessus. Le bout métallique, c'était vraiment comme des petites bandes de métal pour garder le livre lié. Là. Ok. Victor, il regarde d'un regard empruncé vers les escaliers, commençant à... être un peu plus nerveux dû à la situation et dépose rapidement le chandelier et regarde l'ensemble des livres juste pour voir s'il n'y a pas un texte ou genre dessus, mais si ça apparente que genre les livres semblent fragiles, il les ouvrira pas nécessairement. Ok. Les livres sont un petit peu humides. Mais ceux sur les tablettes en haut sont quand même secs. Il y en a qui sont comme à moitié submergés dans l'eau, puis ça, sont en train de tout s'effeuiller, là. Ouais. Ben, ce qui est disponible, ce qui apparaît ou ce qui apparaît plus important ou de plus de qualité, c'est quelque chose qui pourrait n'importe quoi, il va juste comme voir les titres rapidement, tu sais. Ben, il n'y a pas de titre sur les reliures ni sur la couverture. Okay. C'est quand tu t'en prends un et tu le fais délicatement, tu te rends compte que c'est des notes manuscrites à propos de la flore locale. OK. De la flore de la forêt, tout simplement. Oui. Puis il y a certaines pages de temps en temps, tu passes de page en page, c'est... quelques sketchs rapides avec une description sténo, là, quasiment. Sans trop lire en détail, dans le fond, ça explique un petit peu comme une recette, mettons. Il y a certaines pages que tu tournes, puis il y a... la page semble plus rigide,
Mais une fois que tu la tournes, dans le fond, c'est que tu te rends compte qu'il y a une fleur ou une feuille qui est comme... Ah, il s'en est sorti comme presse. Comme, ouais, c'est ça. C'est collé dans la page précédente, mais la description se retrouve sur la page suivante. OK, fait qu'il en a fait un herbier, là. Il y a un herbier personnel. Il va garder ça, ce qu'il va cibler, c'est justement ça. Et s'il a gardé un journal, quelque chose qui s'apparente à un journal, peut-être pour des notes plus personnelles sur les lieux, là. Ça veut pas dire que c'est un gros livre non plus, là. Ça peut être un... S'il n'y a rien de tout ça, il va prendre celui que t'as décrit. Ouais. Il trouve ça intéressant, ben, ça. Ingrid va aimer ça. Il y en a quelques-uns qui ont l'air de traiter différents types de plantes, là. Okay. En regardant rapidement, il y en a que c'est sur les arbres, il y en a un que c'est sur les arbres, l'autre c'est sur les buissons. Puis il y en a un qui c'est sur les champignons, mais il n'y a absolument aucun spécimen dedans. Ok. oublie ça. Je crois que Victor est quelqu'un qui aime trop apprendre pour jeter quoi que ce soit et que ça soit abandonné. Ouais, ça serait probablement ça en fait. Ce serait comme. Il va juste prendre l'ensemble des livres, les mettre dans son sac, se retourner, faire un tour d'horizon là, de la pièce. Ok, donc, fait que là dans le fond, t'as descendu les marches, t'as la poutre, t'as la table, t'as l'étagère. À côté de la poutre, puis derrière la table, il y avait d'autres espaces que t'as pas encore explorés. Fait que. La logique veut que tu fasses le tour de la poutre vers l'escalier pour aller dans la prochaine case avec ta chandelle. Puis là, t'as ta lueur aussi, c'est ça? Ah oui, mais c'est très faible. C'est genre même pas du dim light. Là, c'est night vision dans un. OK, fait que dans le fond, devant toi, t'as... À ta droite, dans cette case-là, t'as une armoire qui est fermée. Et devant toi... Il y a une tache blanche sur le mur qui est un peu une forme abstraite. Et j'ose... t'as combien en nature? Je pense que j'ai 3, je vais aller voir. 3. Ok. Ben, tu peux me faire un petit jet dans ce cas-là? Un petit jet de nature? Attends. Pas nature. Attends, je check mes notes. Déjà, tu me dis une tache blonde, ça... Ouais. Mon cerveau d'horticulteur... glitch, là. Il fait juste comme... I don't Donc, trust white non, c'est stuff. Ça. Nature, ouais. Nature. Effectivement. Oh, c'est pas... Damn! 22. Nice. Okay. Nice. Fait que, bon, un bon 22. Dans le fond, tu... J'ai le livre avec moi, fait que si non, non, c'est mais, moins mais à coup d'œil, comme ça, tu vois... Tu sais spotter une... dans le fond, c'est de là... Il y a une fissure, là, c'est certain, entre les morceaux de pierre des champs. Puis c'est certainement de là que s'infiltre l'eau. C'est des traces de calcium. C'est ça. Là, il y a des... Il y a des quand même, il a l'air d'avoir des cristaux quand même volumineux de, on va le dire en termes modernes, carbonate de calcium. Oui. 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 Ouais. C'est ça. Donc avec ça, juste. Ouais. Ok. C'est ça. Toi, tu, Victor, le sait que ça peut servir de craie au besoin. Oui. Oui. Il va justement se dépêcher à retirer les plus gros morceaux tout en sachant que c'est un endroit qui est fragile. Donc, essaie de découper les plus gros morceaux rapidement pour s'en garder et ne rien toucher d'autre. Ouais. Très bien. Puis... Ouais, si tu veux me faire des jets additionnels, tu peux toujours me le dire là, pour tout ce que tu trouves. Là. Je pense que... C'est correct, on va rechanger l'ordre d'initiative, BX Stone, quand il va avoir un combat. Ouais, ouais.
Parfait. On garde ça pour la prochaine fois. Ouais. Qu'un combat. Oui, fait que c'est ça. Puis là, il y a un armoire à côté de toi, rendu là. Ok. Oui. L'armoire. Vu qu'il est précipité, il l'ouvre directement. Mm. Ok. Vu que t'as des petits bras de nouilles, fais un strength check. J'ai des petits bras de nouilles. Comment? Ça fait tes petits bras de nouilles. Tout juste, j'avais mis un DC de 8. Juste pour faire chier. Juste pour faire chier. C'est clair que c'est juste comme. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, tu déposes la chandelle le plus proche possible, puis tu t'installes avec les deux poignées, puis. Les portes arrachent carrément. Le contenu de l'étagère en tant que tel vacille un peu. Tu sais que tout le bois qui traîne dans l'eau est un peu croche. Fait que là, elle branlouille un peu. Branlouille, wow. Branlouille, ouais. C'est le mot du jour. Je vais essayer de le repluguer. Ouais. Fait que c'est ça. Dedans. Quand tu regardes, tu vois sur l'étagère où tu mettrais normalement des chapeaux, des gants, des affaires même, il y a des chandelles à l'horizontale. Oh! C'est quand même des grosses, là. C'est pas des ok, ouais, des c'est chandelles, des, là, c'est des. Comme des cierges, mais plus petits, en fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a dans la section du bas où normalement ça serait comme la penderie, il y a un balai à côté. Oui, en haut ici, il y a une petite caisse en bois dans laquelle il y a l'air d'avoir des bouteilles. Puis, dans le bas aussi, à côté du balai, il y a un autre petit truc en cuir roulé. Ok. Il va glisser ça le plus rapidement possible en faisant attention, évidemment, là, aux bouteilles. Les bouteilles qu'il en a absolument besoin, là. Les grosses chandelles, il fait comme probablement encore avoir besoin de ça. Et il regarde le il fait juste comme porter attention sur le rouleau, agrippe le rouleau. Mm-hmm. On regardera ça après. Okay. Ouais. Ok. Je ne pense pas que... En fait, la seule chose que je vais faire rapidement, c'est Investigation. Attrait de... On va dire... Organisation secrète, Valor, whatever. Okay. Il veut juste taper rapidement sur le fond. Le pied, là, plus au niveau du pied. Puis il fait ça super rapidement, là, juste pour faire comme, est-ce que ça sonne étrange? Est-ce qu'on aurait laissé quelque chose là-dedans? Ben c'est ça, tu cognes sur le fond de l'armoire, puis tu fais tous les coins, tu fais le centre avec ton poing, j'imagine, forcément. Oui. Ok. Le bruit, simplement un bois franc normal. Ça sonne pas creux en arrière, ça sonne même qu'il y a rien en arrière. Ok. Puis en fait, 10 c'est suffisant pour te dire que quand le truc branle, c'est parce que c'est pas vissé ou cloué au mur. Ok. Puis dans le fond, quand tu dis qu'il y a rien en arrière, c'est que c'est le mur en arrière. C'est ça, ouais. Ouais, ok. Parfait, il fait juste. C'est bon, puis tu sais, tu fais ça dans un mouvement fluide, il raccroche le reste et il quitte. Il n'y avait pas de vêtements là-dedans, rien. Non, il y avait le petit rouleau de cuir, un balai, une boîte de bouteilles, puis des chandelles. Il va prendre le balai aussi. Ok. Il sait pas pourquoi, il fait juste comme faire comme. Tant qu'à tout prendre. J'imagine juste comme la caméra qui est fixe sur l'armoire qui est poussée porte. Ouais. Victor qui quitte, puis il fait juste yoink. Juste la main qui revient en cadre. On a la même image. Ouais, c'est juste ça. Comme. Ah, oh, puis on va le prendre aussi. Ouais. Ouais, moi, je sais, la scène, c'est comme. Il y a une monstre dans la forêt.
better take my broom. Ben, c'est parce qu'il y a pas une arme qui a du range, il y a juste son arbalète pis son messer avec sa dague. Fait qu'il pourrait comme avoir quelque chose qui a du reach. Ouais, ça reste un bâton, c'est un beau bâton. Quand même. Ouais. À la limite, on a du foin, ils ont voulu le pitcher dans le feu. Fait que, c'est ça, dans le fond, tu remontes l'escalier, Kyler, t'es là, puis là, dans le fond, vous devez altérer vos voix, si je vois bien. Elle veut que j'altère ma voix, je vais t'arranger ça. Nice. Tu vas rouler sur le chart? Yep. Non, ou juste... Non, juste le corps. Ouais, c'est encore plus drôle. Qui parle toujours comme Mario Saint-Amand. Je parle comme Mario Saint-Amand. Ok, ta minute. C'est parfait. Ok, donc, ouais, tu remontes l'escalier et Kyler est là. J'imagine que tu fais juste comme appuyer sur la porte, là, comme. Ouais. Quelqu'un qui check le. Qui aide son père à rénover la maison. c'est long. tu vois Victor qui s'empresse de monter l'escalier. Les escaliers sont glissants un peu, là, peut-être dû à l'humidité et la création d'algues. Un peu. Et il glisse, frappe le genou directement sur la roche des escaliers. Et tu vois que momentanément, c'est peut-être son menton aussi qui frappe, genre le plat d'une marche. Il se retourne, il fait comme... J'arrive! J'arrive plus tard. Ça va aller! Tout va bien! Il fait comme... Je crois que je me suis déplacé quelque chose. Et il continue. Toi, ça va? Tout est parfait. Sauf le monstre. Super! Ça l'entend rien. Puis tu vois... Il dit super! Puis tu vois qu'il commence à marcher et il s'en va vers le campement. En boitant. Puis tu vois que son pack sac est comme... Il est comme... Il est tendu, puis genre, c'est pesant vers le fond, tu sais. Tu montres, il marche avec un balai en te tenant avec. Ouais, c'est ça, c'est... Ah, c'est bon, c'est vrai. Pourquoi il y a un balai, t'sais? Ouais. Puis Kyler pourrait très bien croire que t'as toujours eu un balai. Ouais. C'est absolument normal. C'est pour laver les manches, non? Bon, on devrait dire à l'autre encampement, nos plans. Quel plan? Ouais, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Ingrid pense que c'est un loup bipède. Un petit peu étrange, mais bon. Un loup bipède? Vous avez trouvé un loup garou? Dans le genre. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas, mais il y avait assez de force de déplacer les arbres. C'est pas un petit loup-garou! Je crois que non. Sûrement c'est le monstre qui est dans cette forêt-ci. Je crois qu'on devrait le chasser pour éviter qu'il chasse d'autres gens. Il regarde... Ingrid. Qu'est-ce que Ingrid fait en ce moment? Ingrid a... elle a... À sa ceinture, elle a deux dagues. Elle a son carquois rempli d'à peu près une trentaine de flèches. Elle tient son arc, puis elle vous regarde, puis elle est comme... Êtes-vous prête à aller chasser? On en a pour la journée. Juste un instant. Et, ouais, vas-y. Mais j'allais dire, je suis toujours prêt, mais tu voulais pas demander à quelqu'un pour nous accompagner? De l'autre côté. Ouais, ben je viens de voir qu'ils sont tous couchés, alors je crois qu'on serait mieux d'y aller simplement nous trois, vu que. Un chasseur fatigué n'est pas un. Ça vaut pas la peine. À ça, dans le fond, vous voyant tous les trois autour de la charrette, puis Ingrid sur la charrette, Schmidt traverse le, le,
le stage. il va vous voir, puis il ferme son calepin, puis il dit « Vous allez en quelque part? » Oui, oui, on a découvert la... on va traquer la source des bruits de cette nuit. J'ai réussi à trouver sa piste et je crois qu'il serait mieux qu'on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Pour notre sécurité et pour la sécurité de la forêt. Oui, effectivement. Je crois que nous ne pourrons pas vous aider beaucoup en ce moment. C'est ce que je m'étais aperçu. C'est correct. Reposez-vous, on va s'occuper de tout. Très bien, très bien. Si vous nous cherchez, nous allons rester ici jusqu'à l'aube, s'il faut. Parfait. On se rejoint ici maximum demain matin. Effectivement, oui. Suivez-moi. Alors, Aura, viens avec nous. Dans le fond, toi, t'es assis dans la charrette, les chevaux sont attachés à côté. Ils sont pas attelés, là, fait que... puis, c'est ça, Aura est encore comme en semi-transe. Bon, je crois qu'on va la laisser ici. On va prendre soin de Oak, sûrement. Ouais, ouais, il en a besoin. Pauvre petite bête. Alors, vous attelez Mike? Oui, on attelle Mike. D'accord. Oui. Ouais. En fait, dans ma tête, on y allait à pied. Ah, ok, tu étais assis sa charrette, c'est pour ça que ouais, non, ben, j'étais comme... Oui, oui. C'était pour avoir un podium, mais j'aurais. Oui, oui. Je pense pas que j'aurais chassé avec une charrette. Non, c'est pas. ça peut pas aller partout, fait que non, effectivement. Non, c'est ça, on serait allé à pied. Très bien. Oui, faut que c'est ça. Ouais. Victor va écrire une note rapide et la glisser dans. Probablement la glisser rapidement, genre dans un pli des vêtements de. D'Aurora, pendant qu'elle ne bouge pas. Qui lui indique qu'on est parti chasser la créature. Yep. La créature de la nuit. Et il va déposer dans le plus low, bon, le balai. Ouais, je pense que ça serait intéressant qu'on divise qu'est-ce que vous amenez, qu'est-ce que vous laissez. Ouais. Parce que là, vous n'avez pas votre charrette avec vous, effectivement. Ouais. Ça, c'est bien sûr si c'est encombrant ou ça peut vous ralentir, là, je dis bien. Je pense qu'Ingrid va partir le plus léger possible. Elle va avoir ses armes, une ou deux rations. Vous pouvez l'écrire dans le chat là, au fur et à mesure. Là. Ouais. Ouais. Comme ça, on va avoir une trace si jamais ça continue à la prochaine session. Fait que je pars en voyage. Dans mon sac, j'amène. oui, donc. Alors, ouais. Dans le fond, Victor, tu déposes tout ce que tu viens de trouver, quasiment. Principalement, ouais. Et pendant qu'il le fait... J'imagine qu'il est comme un peu en face de Ingrid et Kyler, t'sais, un peu en triangle par rapport à la charrette pendant qu'il vide le contenu de son sac. Et il leur présente en même temps genre les choses pour leur dire « Si on a besoin, non. Si on a besoin, non. Okay. » Et dans le fond, il fait juste vous présenter comme « Les livres sur la flore locale, pas besoin. » Je pense pas qu'Ingrid en ait besoin de ça. On n'aurait pas besoin, mais c'est intéressant, je vais peut-être le regarder plus tard. C'est pour ça que je les ai pris. La craie, est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de craie pour ça, non. On a besoin de faire des rituels étrangers avec de la craie, puis il fait juste comme regarder les deux rapidement, je suis comme... Non.
Ouais, on devrait pas avoir besoin. Pas pour chasser. C'est... D'essayer d'être assuré des troncs. C'est Oak qui avait un arme en argent, non? Ben, regarde c'est... le cheval. Comme... Il a soupir. Smash cut à, je crois, la passe de Bauer où Oak a donné sa hache à Beg. Ouais. Smash cut à moi qui apprend que Oli il s'en va. Ouais, c'est comme le petit flashback avec les barres fuzzy. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Bon. Non, on a plus ça. Les grosses chandelles, non. Ça, je vais garder ça. Il garde genre quelques bouteilles, là, tu sais, avec lui, là. Mm-hmm. Et le reste. Qu'est-ce qui est comme. Il n'y a pas grand-chose sur lui de toute façon. Fait que... Ok. C'est des affaires. Ouais, plutôt, c'est ton kit de base, dans le fond. Là. Ouais. Mon kit ouais, de base, j'ai pas grand-chose. Là, c'est ton starter set. C'est mon starter set, puis je pense que la seule chose qu'il va rajouter, c'est genre. Il va garder le bouquet de Dead Man's Bell, puis le kit d'herboristerie, là, avec son kit de base. Là, que... Mm-hmm. C'est ça, en gros, ça. Tout, sauf les affaires qui resteraient dans une tente, genre son bedroll, c'est... Mm-hmm. Tout ça. J'emmène pas un chest avec eux. Apparemment, non, non. Il y a juste Bipson qui fait ça couramment. C'est ça. Ouais. En fait, il pourrait dormir dans le chest aussi. Pourquoi pas? ok. Ouais, fait que... Là, dans le fond, il est, je dirais, mettons, 7h30. 8h, tiens, 8h. Le temps que tout le monde se prépare, puis on a le montage de, genre, du serrage de strap, puis de ouais. Enfilage de gants, avec des zooms à la Sam Raimi. Ouais. L'attachage de souliers, puis tout. Ouais. Ouais. Puis, genre Ingrid qui raconte qui se raconte comme l'histoire de comment attacher un soulier là. Genre le lapin fait le tour de l'arbre et il rentre dans son ouais. Terrier et... Ouais, c'est ça. D'accord. Nice. C'est-à-dire comment faire un nœud de chaise. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est ça. Fait que là vous partez du camp sur. Vous suivez Ingrid qui vous ramène à l'endroit où il y a les traces. L'abondance de traces, dans le fond. Ouais. Ah oui, il fallait que tu amènes ta bouteille au ski, bien sûr. Là, il faut. Oui. Je suis en train de les écrire dans ma bio pour que ce soit plus simple. Ok, d'accord. C'est pas une aventure sans le whisky. Comment? C'est pas pour ça peut devenir quoi. Plus une aventure avec du whisky. Ouais. On peut voir des ennemis qui sont pas là. Ah, mais ça, de toute façon, déjà... Kyler fait déjà ça. Ouais, c'est Kyler. Vrai. Mm-hmm. Ok. Ça, je suis pas mal sûr qu'on l'a pu. Ça, c'est disparu depuis une éternité. Oui, donc. Fait que vous êtes là où il y a les traces, les arbres qui ont été poussés un peu partout. Et puis la balafre et tout ça. Dans le fond, quand Ingrid vous les pointe, ben en fait, Victor, quand te pointe ça, t'aurais probablement pas remarqué dans cette forêt d'arbres tout croche les arbres qui ont été, les troncs qui ont été comme tassés pour que la créature passe, sans compter les pointes. Les traces sont quand même visibles. Puis, dans le fond, quand j'ai trouvé le poil là, c'est comme... OK! Ah, c'est clair que Victor est à la fois bien surpris et... comment ça? Se sent très concerné de ce qui se passe en ce moment là, avec la créature. Et jette un regard vers Ingrid.
malgré tout ce que j'ai pour évincer une telle créature de la nuit, Gingrid. Vous pensez qu'on serait capable d'abattre cette chose? Est-ce que je peux m'insight check moi-même? Ben, Victor le fait tout le temps. Mais qu'est-ce que tu veux déterminer, dans le fond? Hey. Son... avec, la... avec l'information qu'elle a, son niveau de confiance. Ah, ok. Ben oui, tu peux faire un insight ou juste un wisdom, comme tu préfères. Là. Ok, je vais faire... Voir à quel point elle est honnête avec elle, elle-même. Ouais. Ouais, c'est plus ça. Oh, un 15. Ouais, ouais. Je pense que Ingrid... Ça... Dans le fond, t'es dans ton élément de confort. Mm-hmm. Mais il y a quand même de l'imprévu. Quelque chose qui s'annonce... quelque chose qui augure mal, dans le fond. Mm-hmm. Parce que, tu sais, si ça avait été des... Genre, un petit tas de crottes de loups, puis genre, OK, on a affaire à des loups, on a juste à rester loin d'eux ou... ouais. Tu sais, mm-hmm. les pister, puis whatever. Ils vont tous être ensemble, anyway. Là, c'est quelque chose d'inconnu. Mm-hmm. Toutes les affaires que tu trouves, c'est sûr que... Ça te fout. Hein? C'est sûr et normal que ça te fout la chaîne. Ou la louve. Ok. Donc, Ingrid va te regarder, puis elle va faire. Écoute, Victor. Je te cacherai pas qu'il y a beaucoup d'inconnus. Je crois qu'on est capable, mais avec la forêt, on n'est jamais, jamais certain. Au moins maintenant, on a la lumière. J'aurais pas entamé cette chasse il y a quelques heures. Mais je me sens en confiance maintenant qu'on a un peu de lumière du jour. Eh bien, on est sur la même page. Il voit... Il lance un dernier regard à la patte, la trace de patte béante au sol. Regarde la fourrure qui reste accrochée au tronc d'arbre. Regarde les deux autres et... regarde Ingrid, après vous. On vous suit. Oui, allez-y. Le plus vite possible. C'est probablement une des premières fois que je suis contente d'avoir Kyler avec nous. Effectivement. Tyler juste commence à rire comme un maniaque. Victor ne répond pas et tu vois seulement lui qui te regarde et un regard plutôt incertain. Ouais, c'est... on partage ce look-là, je pense. C'est quand même drôle parce que le rire maniaque me fait penser à une scène dans Predator où... Il y a quelqu'un qui compte une joke à Billy, là, l'Amérindien de service, là. Puis il part à rire, genre, ha 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 ha, pour aucune espèce de raison. Ouais, c'est pour moi ça. C'est net. Ouais. Alright, fait que. C'est ça. Dans le fond, là, vous avez les traces de pas, les arbres qui ont été bousculés. Vous pouvez voir ces affaires-là jusqu'à une certaine distance d'où vous êtes. Mais il y a quelque chose qui vous dit que ça sera pas nécessairement tout le temps aussi clair. Là. Mm-hmm. Donc, et c'est justement ce qu'il dirait à Ingrid face à cette pensée. Mm-hmm. N'étant pas un chasseur, je suppose que lorsque ces traces disparaîtront... C'est là qu'on devrait avoir commencé à se poser des questions, non? Comme on dit par chez nous, c'est là que le fun commence.
Ouais. Et pendant qu'ils marchent et qu'ils suivent les traces, Victor continue. Vous pensez que ce serait mieux que l'un d'entre nous reste dans l'ombre? Ou il serait mieux de rester en groupe? Je me fie à votre expérience en tant que chasseuse. Malheureusement, ces créatures ne vont pas se fier à leurs yeux au début. Nous n'avons pas se fier à leurs yeux principalement. Ils vont nous sentir avant de nous voir. C'est-tu plus qu'un créature? Non, c'est juste un créature. Je crois que c'est une créature, mais les loups vont nous sentir avant de nous voir. Et sûrement avant nous, je suppose. Si on est sur son territoire, il y a des chances. Bon. Restons à l'affût, mais gardons en tête qu'il risque de nous voir avant que nous le voyons. Kyler. Oui. Il me semble que je t'ai déjà vu générer des odeurs d'une quelconque façon. Pas ceux-là. Oui. Et vous voulez que je crée des odeurs de... De forêt. Mais on est toujours dans une forêt. En effet, mais nous nous sentons... Vous m'avez déjà senti. Vous avez des chants. Oui. Je crois que je peux faire quelque chose pour ça. Puis Kyler fait prestigitation sur Victor. Puis il sent comme des épinettes. Il va sentir le pain de sol. Je pense que le pain de sol. Oui. Mais sinon, si c'est pas assez pour nous, il y a toujours moyen de prendre des vraies épinettes. Sur Ingrid, puis c'est juste comme le sang des feuilles mortes. Ça. Ouais. Puis quand même très dark que dans le fond, t'as dit le sang des feuilles, des feuilles mortes. Le c'est quand sang même très des cool. feuilles mortes. Ouais, non. Je sais que c'est The Scent, mais c'est quand même très cool le sang des feuilles mortes. Ouais. Puis pour Kyler Remime, ça va être genre un morceau de bois tout décomposé. Ça sent, te décrit un parfum, genre une autre toilette pour homme, là, tu sais. Ouais, on sent Old Spice. Ensemble, vous sentez l'Old Spice. Apparemment, c'est dégueu. Le Irish Spring. Non, pas l'Irish Spring. Non. Évidemment, je suppose que le tout est toned down pour référer à la forêt initiale ou pas. Ouais. C'est selon Kyler. Kyler sait pas c'est quoi un forêt normal. Ouais. Selon moi, là, comme... Mais non, attends. L'affaire, c'est que... Tu sais c'est quoi le boisé, le bois, des affaires, c'est sûr que t'en as déjà senti. Et, malgré tes trous de mémoire, l'odorat, c'est un souvenir qui reste très longtemps. Là où je vais... Dans le fond, c'est juste pour dire que les odeurs sont pas extra puissantes. OK. Mm. Ça sera pas du pain de sol, pis genre... Qu'est-ce qu'on a mis à l'extrême, là, tu sais? Ouais, c'est ça. J'ouvre une bouteille à l'épicerie, faire « Hum, j'aime ça! » Okay. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, vous avez vos arômes. On sent la forêt. Ouais. Je suppose que c'est dans l'ordre de ce que vous recherchiez, Ingrid. Un second. Oui, on n'a pas juste allé dans le poète. Pourquoi j'ai fait ça? On est dans la forêt. Pourrons-nous juste mettre des feuilles sur nous pour avoir le même effet? Pour l'instant, ça va faire le travail. Si on voit que ça ne... Si on voit que les autres animaux nous...
nous distingue, eh bien, on trouvera quelque chose. Mais je préfère qu'on bouge. Qu'on accélère le pas. Oui, oui. Allons-y. Est-ce qu'on fait un pas un sprint, mais comme un jog pendant qu'on track? On suit Ingrid, à moins qu'elle ait de l'information. Mm-hmm. Ben, en même temps, ça a de l'information de trans. Pour Seb de Ingrid, genre, je sais pas. Mm-hmm. Ouais. Je pense que pour l'instant, vu que les traces dataient d'une journée, un peu moins. Mm-hmm. Je pense que oui. Pour les premières heures vont se faire assez rapidement, je pense. Fait qu'on fait l'affaire de Lord of the Rings. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, papa. Ils étaient là. oui, fait que c'est ça. Dans le fond, vous pouvez poursuivre cette trace pendant quelques temps. Et là-dessus, on va aller sur une pause. Yes! Cool! Donc, on va revenir dans. Au lieu de décrire votre jogging, là. Ouais, donc, imaginez toutes les passes possibles d'un montage de poursuite, où ce qu'il y a des passes de course, comme Sean le décrit, avec des moments où il y a Ingrid qui est dans un arbre et qui pointe, probablement, mm-hmm. ou qui goûte à de la terre ou des sels. Chaque 20 minutes, Tyler se trompe de direction parce qu'il y a le masque de fer, il voit rien. Là. Oh, Tyler, va ici! Ah oh, oui! Ça, il tourne puis lui continue tout droit. Juste là, il y a une main qui le grab pour le ramener. C'est Victor qui fait comme non par ici, non par là. Alright, donc à dans 10 minutes. Cool. Thank you.
Thank you.
on est de retour. Excellent. Donc, c'est full clair. Vous commencez à jogger à travers la forêt. Puis, j'aimerais qu'on fasse un Constitution Saving Throw, parce que ça fait plus de 24 heures que vous êtes réveillé de façon comme plus ou moins consécutive. Il y a eu un short rest pendant la nuit avant de voir sacrer le camp. 15! 11! 15! Oh! Okay. Une chance. Je mets la faute sur l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est quand même bon qu'Ingrid ait réussi, par contre. Ouais. Ouais. Okay. Ça aurait pas été cool. Ah non, mais les deux autres sont comme, qu'est-ce que tu fais? C'est elle qu'on a besoin, tu sais. C'est ça. Ouais. Ah, la pression est sur Ingrid et son joueur. Ouais. La pression et le focus. Oh oui. D'accord. Donc, oui, c'est ça, vous suivez les traces en joguant, comme vous dites. Ça semble quand même assez simple à suivre, puisque, oui, c'est ça, de temps en temps, il y a un arbre qui a été poussé comme pour s'appuyer ou passer par-dessus un autre obstacle. Il y a des traces... Puisqu'il y a plu, énormément la veille. Certaines traces sont beaucoup plus creuses, beaucoup plus faciles à suivre que d'autres. Il y a des buissons qui sont entièrement arrachés par un pas, on doit croire. Ils sont étampés dans le fond d'une trace, quelque chose comme ça. Puis c'est ça, il y a plein de branches qui ont été cassées en chemin aussi. Okay. Alors là, vous avez suivi cette trace sur un fast pace, on va dire. Hein? Oui. Le fast pace qui couvre 4 miles par heure. Je veux ce PDF-là. 4 miles par heure, je vais donc dire que vous suivez cette trace pendant... On a un bon 2 heures, là. Avant d'arriver à un ruisseau qui déambule dans la forêt. Ça a l'air d'être un assez vieux ruisseau, puisque les deux bords du ruisseau forment une espèce de fossé. Dans le fond, c'est l'érosion du temps, simplement. Alors, rendu là, faut retrouver la piste, parce que ça semble aller dans l'eau. C'est un ruisseau de, je dirais, comme 15 de pieds. Puis, c'est ça, pour retrouver la trace l'autre côté, vous pouvez faire un survival. Je regarde mes... ce truc ici. Donc, un survival, puis pour retrouver la trace... ça peut prendre jusqu'à 1 heure, selon... pour moi, c'est selon le gel. Je reviens. À la limite, je donne mon avantage à Ingrid. Ouais. Moi je vais donner guidance à Ingrid chercher. Ben, mettons pour un mécaniquement. Ouais. Est-ce que j'ai affaire à une beast ou autre chose? C'est un peu méta. Non, mais faut que ce soit méta parce que je veux pas t'as un avantage sur une composante méta du jeu. Je vais dire, tu n'as pas cet avantage. Parfait. Le joueur est content. Ben. le personnage le sait pas, mais le joueur a un certain avantage. Okay. Ouais. Alors, c'est un survival qu'on parle. Ouais. Avec guidance. Tu l'as vu le décart ou?
Alors, tu peux... j'ai déjà roulé un des quatre. OK. Donc, c'est un 22. Nice. OK, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Fait que 22, normalement, retrouver une piste, c'est une heure de recherche dans la nature. Mais vous êtes trois. Ingrid a un certain sens pour vous guider à chercher où, là. Vous retrouvez une piste un peu en aval du ruisseau. Un quart de mille. Dans le fond, ça... Le bord du ruisseau semble descendre un moment donné jusqu'à devenir comme une espèce de plage. Et là, dans la fange, vous voyez très bien une grosse trace. Elle est quand même assez vieille, mais comme t'as roulé un 22, t'es capable de la discerner. Les bords ont arrondi un petit peu parce qu'il y a eu un ressac. Mais c'est ça, tu as une belle empreinte de cette trace. Non seulement c'est anguleux, mais là, tu remarques que... il y a vraiment des coins carrés. Le talon lui-même est fait comme en angle. Il semble avoir beaucoup de poids à cet endroit-là. Le devant semble être fait un petit peu comme ça. Ça, c'est-à-dire comme le... Mm-hmm. Où il y a l'articulation des orteils. Et là, il y a encore un petit peu de poids, mais le gros du poids est sur le talon. Et au bout, au lieu d'avoir des orteils comme tu t'attendrais avec n'importe quel animal, des pads ronds pour les orteils, là, c'est carrément comme des sections. En fait, il y a comme trois orteils, qu'on va dire, qui sont littéralement comme géométrique. OK. Ouais. OK. Ingrid va s'arrêter pour... Je voulais juste dire que, dans le fond, tu le sais que la plupart des canidés ont leur poids sur leurs orteils plutôt que sur leurs talons, parce que leur talon est dans les airs. Mm-hmm. OK. Fait que, ouais, elle va comme ça s'accroupir devant la trace, l'analyser pendant un bout, se relever, puis se retourner vers le groupe, puis bon. J'ai retrouvé la trace, bien que cette créature soit assez facilement traçable, je sens que j'ai de la difficulté à la tracer. Cette créature, je devrais avoir plus de facilité à la tracer. Restez sur vos gardes. Il y a quelque chose d'étrange sur cette créature. Étrange comme quoi? Ça veut pas dire qu'il essaie de... éviter qu'on le trace. Non, j'ai un sixième sens pour traquer les bêtes dans une forêt, si on peut dire ça. On dirait que ce sixième sens, depuis le début de la traque, ce sixième sens ne s'est jamais manifesté. Donc, créature étrange. Donc, cette créature est tout à fait pas normale. Non, on n'a pas affaire à un loup normal, c'est ce que j'essaie de dire. Et on peut voir ici, là, elle va pointer comme la trace très angulaire, le poids qui semble être sur le talon plutôt que sur les orteils. Mm-hmm. Puis comme pour
pour... Victor regarde et te regarde une fois que tu as expliqué cette information. Si ça ne répond pas à un loup ni à un loup-garou normal. Est-ce que non, vous c'est pensez... pas un loup-garou. Non. Alors, est-ce que c'est un scab? C'est très possible. Ce qui pourrait expliquer son hurlement était peut-être un peu plus... un peu moins naturel. Un peu plus, peut-être, je dirais... mécanique, machinal. Vous savez, ces nouveaux... ces nouvelles contraptions. Un passé nouvel et plutôt horrible, oui. Ingrid, j'aimerais que tu me fasses un jet d'intelligence, s'il te plaît. Juste un jet d'intelligence. Ok. C'est un 16. Ok. Tu te souviens... t'as comme un flash dans ta tête de... dans les quartiers de dans le moulin dans le fond où Ludovic Dulm habitait. Tu te souviens d'avoir pris un cahier dans ces choses? Oui, cahier que je n'ai jamais ouvert et que j'allais prendre le temps d'ouvrir à un moment donné et que tu as laissé au camp. En effet. Ouais. J'ai dans mon inventaire un petit livret, entre parenthèses, trouvé au moulin. Ouais. Est-ce que je peux faire un jet d'intel également? Tu peux faire un jet d'intel, oui. Okay. Mais tu dois me dire pourquoi. Ok. même raison, cependant, moi c'était sur un bout de papier qui est dans mon bloc-notes, fait que... Ok, dans ton bloc-notes, il est toujours avec toi. Ça, je le sais. Ouais. Fait que oui, tu peux faire un jeu d'intel. Ok. Je sais pas dans quelle mesure on se rappellerait automatiquement de ces choses-là. Là. Mm-hmm. Je le roule pareil au cas. Là. Ouais, t'as bon, un 11. Je dirais bon, l'information que... est beaucoup plus mince, là. Non, c'est ça, mais... dans le fond, non, toi, tu te souviens pas du bout de papier, là. Ok. Je crois que tu te souviens de la teneur du document en tant que tel, puis ça s'applique pas. Fait que... Ok. Mm-hmm. J'ai écrit ce que tu m'avais dit, là, c'est pour ça. Ouais. Fait que là, j'ai comme fait, ok, ça, il fait pas de lien avec ça. C'est bon. Ben, c'est ça, dans le fond, fait pas de lien parce que c'est pas... Ça s'applique pas à ce que tu cherches, je pense, c'est pour ça. Ok. Ouais. Ok. Parfait. Donc, ils sont comme sur la fin de cette conversation-là. Donc, on poursuit dans cette direction-là. Ça date de quand, à peu près, celle-ci? Elle est vieille encore. Trop vieille. DM. La trace a facilement dans le coin d'une journée aussi, là. Ok. Fait que, oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis les barres se sont arrondies à cause du ressac. Puis dans le fond, c'est un petit bord de... T'sais, c'est pas une plage allongée, là. C'est vraiment comme il y a un bord au ruisseau où il y a pas de végétation, puis ensuite, donc, ça commence... c'est une berge qui est plus... qui est plus évasée, ouais, qui est plus longue. Il y a assez de place pour comme un de ces pas-là, puis le deuxième se ramasse déjà comme dans la verdure, puis continue, t'sais. Ok. Ouais. Je crois qu'on sait encore sa trace de... On est encore sur son passage d'hier. Donc on est encore loin. On est possiblement encore loin, tout dépendamment de la vitesse avec laquelle ça court. Parfait. Est-ce que j'ai l'impression que cette créature-là, avec les pas, court ou elle marche? Faire investigation. Ça, ça va être plus que survival dans ce cas-là, parce que c'est analyser un gate. Tyler peut t'aider avec ça. Mm-hmm. Merci. Our help, dans le fond. Ouais, votre help. J'ai investigation, fait que si tu veux savoir quelque chose de spécifique, Tyler va t'aider. Ok. Donc, c'est un. Tyler, c'est deux Vinzir dans un costume.
Ouais, c'est ça. Il est Venzir sans l'intelligence, genre. Ouais, c'est ça. Mais combien tu dis? C'est un 12 avec l'avantage. 12? Ben, 12, c'est, je pense que c'est suffisant pour que toi-même tu te dises quand je cours, je donne un coup. Je donne probablement un coup de talon. Talon. Okay. Puis ensuite, l'impulsion des orteils. Ok. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'impulsion d'orteil. C'est vraiment juste. Ben, en fait, c'est pas aussi profond vu que c'est quand même très humide comme terre. Okay. Ou il est toujours en mode de sprint. C'est juste toujours orteil. J'ai pas l'impression que cette créature court, donc si on garde un pas rapide, on a peut-être une chance de la rattraper, surtout si on trouve sa tanière. Ce qui serait l'objectif, en fait, si on pouvait trouver sa tanière. Même s'il n'est pas là, de toute façon, on serait en mesure de tendre un piège ou quelque chose, il va y revenir, ouais. Non? Oui. Oui. Alors, ouais. Continuons. Ok. Donc on poursuit... Ouais, on va poursuivre cette traque. Ouais. Alors, vous vous enfoncez un petit peu plus dans la forêt. C'est ça, vous suivez encore les traces, il y a des troncs d'arbres écrasés. Tu sais, des vieux troncs d'arbres là, qui font juste... Quand tu mets ton pied dessus, ils s'écrasent, mais là, ils sont étampés dans le sol. Puis ensuite, c'est ça, il y a d'autres branches, d'autres buissons qui sont piétinés. À un moment donné, vous constatez... En fait, Ingrid d'abord. Constate que le rythme des pas commence à accélérer. C'est-à-dire la distance entre aussi prend de l'ampleur. Okay. C'est plus par ça que tu es capable de le dire. Puis tu remarques que vous arrivez comme dans une petite clairière. Parce qu'il n'y a pas d'armes, il y a du buisson, mais tous les buissons sont comme écrasés, cassés. Il y a des traces de sang un peu partout. Et puis, dans le fond, vous constatez que ça a l'air. Forcément, ça a l'air d'un combat. Ça s'est enfoncé un petit peu plus loin en forêt. Ok. Est-ce qu'on... On voit pas de cadavre? On voit pas de corps? De où vous êtes, pas encore, non. Vous êtes juste dans la clairière, je considère. Ok. On va... Je vais... Ingrid va commencer à regarder... Investiguer les traces de combat, les traces de sang... Voir si... c'est ça, voir s'il y a... si elle peut trouver, genre, un cadavre ou contre quoi cette créature se serait battue. Ouais. Donc, est-ce que les autres vous suivez ou vous analysez le terrain? C'est de voir... dans le même ordre d'idées, Victor... enquêterait comme la scène de combat qui a lieu ici, afin d'en venir à des conclusions similaires pour tracer un calque du combat. Ouais. Tyler va donner une guidance, mais il va garder vigilant. Il va pas aider cette fois-ci, il va juste regarder autour. Tu fais le guard. Ouais. Ok, ben c'est ça. Fait que pendant que Victor sort ses petits numéros et ses petites règles pour prendre des photos, là. je continue avec Victor. Fait que c'est ça, oui. Tu peux faire une investigation sur la clairière en tant que telle. Okay. Essayer de regarder où il y a des traces de pas, puis les buissons cassés, de faire même.
Donc, même scène, similarité avec le Seigneur des Anneaux encore. Il y avait deux hobbits qui étaient étendus ici. Il fait quelques pas dans le sol. Attends, j'ai pas mon orteil de cassé. Le guidance à Kyler, il était sur qui? Parce que je pense que je peux juste choisir une cible, right? Ouais. Fait que on va faire 1, 2 sur Victor et 3, 4 sur Ingrid. Alright. Il va rouler un D10. Non, on va rouler c'est un D4. Okay. C'est et voilà. Ingrid, d'accord. Ingrid. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça. Tu t'accroupis, tu commences à fouiller entre les buissons abîmés. À personne, d'abord. Ouais. Je fais guidance sur Aurora. c'est ça. Fait que dans le fond, tu passes entre les buissons, tout ça. Tu remarques qu'il y a beaucoup d'autres types de pas. Des pas beaucoup plus petits. Sans que tu puisses nécessairement dire exactement c'est quoi, parce qu'ici c'est un petit peu plus sec. Ok. Tu remarques, oui, parmi le sang, il y a de la fourrure un peu partout aussi. C'est ça, dans le fond, il y a des petites touffes de fourrure, il y a du sang, les buissons brisés, puis à un moment donné, au bord de cette clairière, tu marches sur quelque chose, tu regardes à travers les herbes, tu ramasses un petit bout de métal qui ressemble à un champignon. Ingrid, Kyler. Je pense, je pense que tu le saurais que c'est un boulon, là. Il y en a dans les appareils en bois, fait que oui. Ok, ouais, je comprends. Ok, ouais. J'avoue que pour quelqu'un qui sait pas pantoute c'est quoi, ça ressemble à un champignon. On essaie d'être vraiment trop ruraux, là, ici, là. Ouais! Il y a des humains qui sont passés ici, ou... qui transporterait un boulon avec lui? Ouais, plus comme un rivet, en fait, parce qu'il y a pas Ouais, c'est vrai, il y a pas de filet. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste un boulon, ouais. Ah oui. Penses-tu c'était eux qui faisaient le combat avec cette créature? Je sais pas, j'ai pas les yeux d'Ingrid. Tout ce que je peux dire, c'est où est-ce qu'il y a eu du garabut. J'ai un peu qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit. Je suis plus habitué à voir du mobilier que des branches brisées. Et ce qui est un peu étrange, c'est ça. Puis dans la première personne qui le prend. Et les pas qui sont juste derrière, là. C'est pas les mêmes pas, c'est plus petit, mais... Je veux dire, l'argile est toute craquée. Je suis incapable de voir c'est quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus petit. Eh bien, je crois qu'on a la... On a la confirmation qu'on a affaire à un scab. Tu penses? On a ce clou ici doit servir à tenir deux parties ensemble, ou du moins fermer une. Faire une couture mécanique, si on peut appeler ça comme ça. Eh bien, avant qu'on continue plus loin, maintenant qu'on sait qu'il a un trou, Victor fait juste. Kill it. Il fait juste regarder, puis il fait comme. On va attendre que ça va, Ingrid. C'est une petite gorgée de whisky. Ouais. Je vais attendre qu'elle ait fini de tousser. On dirait bien que ça a un impact. Parfait. Si jamais il arrive quelque chose et que vous voulez mettre à bas cette
partie où ce qui est un boulon faible. Sachez qu'il y a, je tiens avec moi encore une fiole d'acide. Si pour X raisons je tombe, prenez-la. Et il fait juste vous indiquer où elle est localisée sur lui. Okay. Prenez-la, elle l'interprète comme dans Roméo et Juliette. Ouais, c'est comme... Même pas comme ça. On va tuer le monstre! Là, la campagne devient les aventures vraiment bizarres de Kyler. De Kyler et Aurora. Ouais. Paladin Pals. Paladin Pals! Deux paladins dans la forêt. C'est un autre... Two paladins, one Ingrid. Je sais pas. En somme, si c'est pas, puis il regarde Ingrid en voulant comme qu'elle acquiesce que c'est probablement sa patte qui est étrange, considérant ce qu'elle a dit. Au moins, vous allez pouvoir le mettre à genoux. Donc, c'est dur à dire d'où ce clou était. Et peut-être qu'il était. Il peut être dans n'importe son où. Ouais, ça peut être vraiment n'importe où. Mais au moins, il y a un endroit. Espérons que ce soit un endroit qui. On a une faiblesse à exploiter, au moins. Ouais. Bon. Okay. Bon, on sait-tu si c'est loin, un autre demi-journée, coupe d'or loin de nous? Comment est-elle ça? C'est dur. En tout cas, c'est sûr qu'il a passé du temps ici. Est-ce que j'ai toujours pas trouvé de corps? Hein? En fait, non, j'ai pas passé à toi, c'est pour ça. Ok, c'est bon. Mais dans le bref moment avant que Victor t'appelle, tu peux toi aussi faire un investigation. Tu as guidance. Why? Why? Ah. Il avait besoin. Même avec le guidance, c'est un 8. Ok. Oh! You suck. Je traque des animaux, je traque pas des humains. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu t'enfonces un petit peu en lisière de forêt. Il y a forcément des buissons qui sont arrachés ou... des branches qui sont cassées. Je crois que tu remarques dans le fond, selon la disposition des pas, le sang, tout ça, tu remarques qu'il y a un petit peu de sang qui poule en bas d'un arbre, mais tu regardes à hauteur comme de tes yeux, puis l'écorce est abîmée, comme si quelque chose avait frappé fort dedans. C'est à peu près tout ce que tu peux voir de où ce que t'es. Okay. Donc, puis là, retour à la scène. Ouais. Il y a effectivement des marques de combat. J'ai pas trouvé de corps nulle part, donc j'imagine que quiconque a essayé de combattre la créature a réussi à sauver. Sauver, secours encore après. Ou continue de la traquer, mais en tout cas, je crois que cette bataille n'est pas terminée. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'on a trouvé tout ce qu'on avait à trouver ici. Ouais, essayons. Oui. Si on peut avoir des alliés. Ouais, vas-y, Kyler. Excuse-moi. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, justement? Il va te pointer... elle va te montrer, genre, dans sa main, le rivet qu'elle appelle un clou. Parce qu'elle n'a pas de meilleur terme pour... Et c'est ça, votre... qui vous disent que c'est pas fini. Il y a des humains qui s'enfuient. Ou continuent la chasse. En fait, il y a des traces de combat un peu partout. On peut voir là-bas les traces de sang. Mais on n'a pas trouvé de victimes, on n'a pas trouvé de corps. Donc c'est sûr que le combat n'a pas été fini.
ou si le combat s'est terminé, la créature a ramené la proie chez elle. Mais je suis pas capable de voir le... de déterminer combien de chasseurs il y avait. Carol trouve que c'est bizarre qu'on voit pas plus comme un corps ou quelque chose. Mm-hmm. Il va faire une investigation où ce que il y avait de le sang. Ouais. Je vais me donner. Où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a le sang dans le fond en bas de l'arbre? Ouais. Ok. Fait qu'il y a investigation plus des 4. Oh, damn! 25. Ok, 25. Fait que c'est ça. Dans le fond, toi, c'est parce que tu focuses ton attention sur un truc au lieu de regarder comme le oui, le, oui. Le, you can see the forest from the trees. non, là, c'est the tree from the forest. Ouais, fait que dans le fond... Il a spoté un arbre. Il a été concentré sur cet arbre. Avec sa vision, c'est difficile. Ouais, c'est assez facile à faire. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu t'accroupis devant cette petite flaque au pied de l'arbre. Tu regardes à gauche, à droite, tu regardes autour, tu regardes l'arbre. Tu te rends compte que oui, dans le fond, l'écorce de l'arbre, même le bois lui-même de l'arbre est enfoncé. Mm-hmm. Selon ton angle, tu vois vraiment comme un creux, puis l'écorce d'en dessous, tu vois comme le bois qui est craqué, là. Mm-hmm. Puis tu dis tout de suite que genre il y a quelqu'un qui a frappé l'arbre, ou il y a quelque chose plutôt, qui a frappé l'arbre, qui est tombé, resté là quelques temps pour que le sang puisse couler. Mm-hmm. Puis comme tu as regardé à gauche, à droite, un peu partout autour de l'arbre, tu remarques que dans le fond, la trace à beurre un moment donné, puis elle s'enfonce dans la... plus loin dans la forêt, mais comme en arrière de l'arbre, par là-bas. C'est parfait. Fait comme, si t'es devant l'arbre où la tâche, c'est comme ton 2 heures. OK. Fait que je pointe ça à mes compagnons. Je... Ah, ici. Par ici. Une trace de sang qui continue dans la forêt. Puis qu'à l'heure pointe, comme la trace qui s'en mène. Victor se précipite dans cette direction-là, en suivant, en essayant de bousculer un peu les buissons, en cherchant le s'il y aurait du sang qui aurait été laissé. Ouais, ben, tu veux dire comme dans la trace, là? Ouais. Ok. Ben oui, c'est ça, il y a du sang qui passe, qui est comme là-dedans. Il y en a une grosse partie qui s'est infiltrée dans le sol lui-même. C'est ça. Ça donne l'impression que le corps, en étant tiré, a comme essuyé une partie là, ou l'a étendu. Okay. Ça sonne moins comme quelqu'un qui s'est relevé, qui est parti en courant, en pissant le sang. Ça traîne plus c'est comme quelqu'un qui a été traîné. Exact, oui. OK. Il va quand même suivre la trace en disant... Vous pensez que cette personne est encore vivante ou quelqu'un l'a déchiquetée? Il n'y a aucune manière de savoir à ce moment. Il faudrait juste suivre la trace, je crois. Je suppose que c'est mieux que n'importe quelle autre trace qu'on a. Oui. Est-ce que, en suivant cette trace de sang, il y a autour des traces de la créature? Ou c'est... Oui. Ben, dans le fond, c'est ça, il y a la trace comme la glissade qu'on va appeler. Oui. Parce que trace, ça devient mélangeant. Mm-hmm. Puis, ça fait qu'il y a la glissade, puis à côté, justement, il y a les pas lourdeaux un peu. Même la glissade passe partiellement sur sur une des traces. Un des pas, dans le fond. Le côté droit, disons. OK. Bon, je crois que cette créature s'est trouvée un dîner hier soir. Avec de la chance. Non. Tu peux me faire un jet de perception. Ouais. Okay. Mais tu peux finir ce que tu disais, là. Excuse. Non, ben...
J'étais, dans le fond, j'étais pas sûr du, de la conclusion que j'allais. Ok. Donc, c'est un plus. Donc, un 21. Ah, puis les deux autres aussi, vous pouvez me faire perception. Okay. 18. Ingrid, t'as eu combien? 21. Ok. 7. Ouais, 21 et 18. Je dirais que Ingrid, toi, tu le perçois en premier. Mm-hmm. Tu le perçois plus clairement, je veux dire, mais comme tu laisses ta phrase finir et s'évanouir dans l'air humide de la forêt, tu remarques que t'entends le bruit persistant de mouches. Pas très loin. Oh. Victor, ça te parvient, mais à quelques secondes de délai, une fois que Ingrid a laissé sa phrase finir. Bon. Puis Kyler, juste les deux bras sur les hanches en train de regarder la glissade comme dans son sens. C'est ça. I found this. Mm-hmm. Ingrid va avancer vers le bruit, mm-hmm. le bruit des mouches assez lentement pour essayer de pas marcher sur des brindilles pour t'sais. Si mm-hmm. la créature est encore là, essayer de pas la brusquer. Là. Ouais, fait que tu lèves quasiment pas tes pieds, tu fais juste comme les glisser à terre pour tasser les obstacles. Mm-hmm. Puis, dans le fond, vous pouvez tous faire un jet de stealth si vous voulez. Je dis ça demain. Ouais. Initialement, la première chose que Victor va faire en entendant les mouches, c'est non pas aller dans la même direction initiale que Ingrid, mais regarder le ciel en quête de carnassier. Ok. Ben, ça va être... Ouais, ben avec ton 18 de perception aussi, tu regardes directement, puis t'en vois pas. La canopée est trop dense pour... À l'extérieur de la clairière. C'est trop dense. Ouais, non, mais c'est ça. Nous autres, on regarde comme de même, fait qu'on voit pas nécessairement. Ouais, là, ouais ça. Puis, tu sais, la clairière en tant que telle, c'est le vide, mais après ça, comme la verdure, elle monte très vite en hauteur. Là. Ouais, c'est ça, je dis. Tu vois juste comme d'un angle certain, après c'est fini. Là. Ouais, c'est ça. Ok, donc, une fois qu'il a fait ça, effectivement, il va suivre. Il va. Comment ça? Juste. Ben, c'est imiter la chasseuse. Donc, imiter le bruit des mouches. Tyler va. Je sais pas exactement qu'est-ce que vous faites, là, qu'il juste reste là. Ouais. Juste comme ça. Ouais. Pense à juste comme. Ouais. Okay. C'est ton côté paladin qui rentre, tu fais juste garder. Ouais. J'ai roulé un 20 sur mon stealth. Un dirty? Un dirty, okay. Pas un vin naturel. Un vin sale. Un vin sale! D'accord. Oui, fait que c'est ça. Dans le fond, ça marche très bien parce qu'Ingrid, elle lève pas ses pieds, elle glisse pour enlever les petites brindilles, les feuilles, tout ça, de son chemin. Tandis que Victor, lui, est plus habitué au cobblestone, au bois. Il va quand même déposer son pied doucement. De temps en temps, il y a un petit qui persiste. Fait que vous arrivez tranquillement, pas vite, vers le bruit des mouches. La verdure qui vous cache un peu la vue. À un moment donné, vous contournez un buisson, puis vous voyez là. Il y a un cadavre qui est, dans le fond, la tête a été logée dans un embranchement de branches.
À peu près à une dizaine de pieds. Le corps lui-même a été grugé, pour ainsi dire. Les entrailles sont partout à terre et les membres aussi. On entendrait probablement uniquement le cuir des gants de Victor se resserrer et craquer sous cette pression. Ouais. Fait qu'on a notre name ici, on a Arnold qui... Ouais, c'est ça. Ingrid qui ferait juste... je pense que ça serait juste un gasp. Un genre de... Gasps in bois. Gasps in bois, ouais. Il n'y aurait pas de mots. Ouais. Mais... T'avales trois mouches. Arc. Sur ça, Kyler aussi comme prépare ses armes, comme qu'est-ce qui se passe? Il va comme est-ce qu'il y a sur le cadavre une marque représentative, quelque chose? Les choses ont l'air, ben le corps a l'air d'avoir été pas mal déchiqueté. À cette hauteur-là, tu peux sous-entendre que tu peux comprendre que c'est tout de suite la bouche de la créature. Si c'est bel et bien un loup-garou ou quelque chose d'analogue, ouais, c'est ça, c'est pour permettre de mieux manger. Puis tu peux me faire une investigation sur ce cadavre. Et ceux qui l'entourent, bien sûr. Investigation, c'est un 14. Ok. Dans le fond, c'est ça. Il y a pas mal les membres à terre, les entrailles tout en tas. Mais en fait, pas les entrailles. Les entrailles sont pas là, c'est vrai. Ça aurait plus de sens qu'ils soient mangés en premier. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a comme une nappe de sang qui recouvre la végétation au sol. Et dans le fond, il y a quelque chose qui cloche pour toi avec cette scène-là, mais tu ne sais pas exactement c'est quoi. Pourquoi ils l'auraient mis à cet endroit-là? C'est commun chez eux. Ces créatures de la nuit, Ingrid. C'est difficile à dire. On n'a vraiment pas affaire à quelque chose de naturel. Je regarde cette scène, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne le vois pas. Je peux faire un jet de religion avec guidance pour savoir si je connais quelle sorte de créature anormale pourrait faire ça. Ça aiderait-tu? Je crois que avec les preuves que t'as à date, je crois que tu me dis le contraire, tu peux me dire si c'est vrai ou pas, là. Mais je crois que tu te dirais que ça s'applique pas parce que c'est totalement pas naturel. Okay. Mais c'est pas nature, c'est religion, fait que c'est pas comme abomination. Ouais, non, mais c'est genre... ça, mais je veux dire, dans le sens où... tu veux dire quelle sorte de créature c'est? Oui, exact. Ah, ok, ben, ça serait peut-être pas religion, ce serait plus arcana dans ce cas-là. Pour identifier un type. Oh boy. Un type de créature qui n'est pas naturel. Ouais. Ce serait plus arcana. Ouais. Ah, ok. Bon. Ben, arcana dans le sens de genre, au sens large, là, pas juste magie. Là. Ok, ok. Quand on va essayer quand même. Ouais. Ouf.
10! 10, ok. Je dirais que 10, c'est assez pour déterminer que cette créature est loup-garou-ish et possiblement, bon, lycanthrope. Toutefois, a des pièces de machine. Mm-hmm. Mesure comme dans le coin de 9 pieds. Mm-hmm. Le terme te semble approprié, monstruosité. Okay. Parfait. Attends. Juste vérifier. Non, pas monstruosité, excuse. Abomination. Construct. Oh, construct. Okay. Parfait. Je suis comme. Je regarde la cadavre. Mm-hmm. Je regarde les pièces. Mm-hmm. Je réfléchis sur toute l'information qu'on a eue, la fourrure, tout ça. Je suis comme. Ouais. Il n'y a rien d'autre que je peux penser qu'un construct. Un construct. Oui, à faire tout ça. Ouais. Un scab. Oui, c'est cette créature. Il y a la terminologie de l'église pour ça. Ouais. Ouais, c'est. Ce qu'on poursuit en ce moment est bel et bien la construction de construction humaine. J'appelle plus ces gens des humains, Ingrid. Ceux non. qui les bâtissent non plus. Mais au moins peuvent être tués de la même façon. Ouais. Tout à fait. Ils sont plus humains. Corrompus. À faire ces scabs. Ouais, c'est la corruption. Là. Je crois qu'on a. Il faut détruire cette créature. C'est un danger pour la forêt, c'est un danger pour le. Ça pourrait être un danger pour Ulm, ça pourrait être un danger pour Gatstaff, même si on est loin. Le Briar Bridge est pas loin non plus, donc on a. Tout à fait. On continue le plus vite possible. Oui. Il n'y avait pas de symbole sur le cadavre. On pouvait non. pas voir. Il n'y avait pas de. Non. Pas de tabard ou quoi que ce soit. Pas du tout. Okay. Puis tu peux faire un jet d'intel. 18. C'est justement ça qui cloche, il n'y a pas de vêtements déchiquetés ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de vêtements déchiquetés, l'homme est nu? Ouais. Ben, la personne. Oh, damn! Victor ferait pas le lien, le joueur. Ouais. Un peu plus, là. Ouais. Oh. Mais Ingrid peut faire le lien. Et Ingrid peut facilement faire le lien en Chris. Ouais, fait qu'il n'y a pas de vêtements, puis avec ton pas pire jet, tu le sais par les légendes, puis tout ça, à Kessig, pas juste les légendes, mais les histoires de chasse de loups-garous, c'est que les gens, les loups-garous, quand ils meurent, ils reviennent à leur forme humaine. Les vêtements ne se transforment pas comme genre dans d'autres règles de dungeon, comme Wild Shape, etc. Le loup-garou doit être. Ben, en fait, tous ses vêtements déchirent, à moins qu'il soit déjà nu. Puis quand il meurt, il redevient humain. Oh. Quoi? Oh. Je suis pas certaine. Mais je crois que cet homme était possiblement un loup-garou. On lui. Quoi? Oui, vous voyez, il n'a pas de vêtements. Les loups-garous, quand ils se transforment, bien sûr, leur forme grossit, leurs vêtements non. Donc, leurs vêtements sont souvent déchirés dans la transformation. Et quand on tue un loup-garou, ils reprennent leur forme humaine.
Vous êtes en train de me dire que des loups-garous est en train de se battre contre un scab. Ce serait pas la première fois que j'en entends parler. Pourquoi de la corruption se battrait contre la corruption, à moins d'être... On n'a pas trop se poser de questions. Ils sont pourris. Pour l'ensemble. Et Victor poursuit dans la direction du cadavre. Et... Ouais. Ingrid est un peu... Quiconque aurait l'œil pourrait voir qu'Ingrid commence à se sentir un petit peu dépassée par les événements. Mais... Ouais. Va essayer de pas le... Essaye de pas le montrer. Je suis en train de me demander si je vous fais faire un sanity check, là. Hop. Ouais. Faites-moi un wisdom saving throw. Juste à checker. Attends, wisdom. Nice. 7. 22. Okay. Ingrid a roulé un 12. Victor est en train de bouillir de façon interne. Ouais. Oui, effectivement. Kyler, ça te passe par-dessus, puis de toute façon, en tant que... t'étais inquisiteur, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Mais toi, c'est ça, t'en as vu d'autres, là, des cadavres, des situations extravagantes comme ça. Victor, avec ton... ton préjudice contre les scabs, ça vient te rentrer dedans. Solide. Et puis... Je vais... Attends. Oui, ok. C'est moi qui fixe le DC, right? Je m'en souviens jamais parce que je le check juste le dimanche. Ouais, moi je m'en rappelle pas non plus. Soit c'est fixe, soit c'est toi, je m'en rappelle pas. Mais tu sais, c'est comme à la limite, je... balaye toi-même, puis vas-y en fonction de ce qui se passe. Puis écoute, je ne voudrais pas DC, donne-moi les. Ouais, ok. Mais de toute façon, je pense que c'est. Je pense que c'est 10. Le minimum. Ça me dit quelque chose, mais. Contextuellement parlant, je le prendrais. Ok, ouais, fait que... C'est ça, fait que... J'ai l'impression que c'est baseline 10, puis plus ton score est haut, plus le DC monte. Comme ça aurait du sens. Ça aurait du sens que ce soit contextuel également, là, en fonction de qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est ça, c'est parce que dans le fond, quand t'as... 200 stress damage, ben le sanity. Là, il faut que tu essayes des DC-15, fait. Je veux pas, t'es déjà pas mal fou, là. Non, il me semble que c'est 10. Parce que j'ai rien pour 10, là. Okay. Fait que oui, c'est ça. Toi, ça vient de rentrer dedans, puis avec la marge par laquelle tu as raté, tu prends 10 points, tout simplement. Noted. Puis Ingrid a eu combien? À 48. J'ai roulé un 12. 12, ok. 12, c'est correct. T'es ébranlé, tu shakes, mais tu gardes quand même ta ma contenance. Ta contenance. C'est bon. Ouais. Bon. À la lumière de ses faits, est-ce que Victor va vers la victime, justement? Dans le fond, il va... Mm-hmm. Un instant.
Ben, ça, en attendant Kyler puis bon. Ingrid, qu'est-ce que vous faites? Kyler va tout simplement juste suivre les traces. Mm-hmm. Puis regarder ses compagnons comme bon, tu viens chasser le scab? Ouais. Oui, il faut détruire cette créature. On dirait que le niveau de danger vient d'augmenter d'un niveau ou deux, mais il faut détruire cette créature. Victor est en train de marcher, puis tu vois que il est en train de jouer avec une allumette dans sa main. Genre, peu importe qu'est-ce qui nous sert d'allume-feu, là. Ben, c'est le... C'est ton Tinderbox. Ouais, Tinderbox, c'est ça. Ouais. C'est probablement comme Flint and Steel. Là. Ouais. Tu vois qu'il fait juste comme frotter les choses ensemble, mais il y a comme une certaine habileté quand même à le faire à une main. Mm-hmm. Puis tu vois des étincelles, puis tu fais juste comme... Il rattrape les deux choses ensemble, serre le poing, puis... continue le chemin dans la forêt. T'es l'équivalent de... C'est l'équivalent que tu joues avec un Zippo. Ouais. Pas mal. Puis tu vois justement cette lueur verte qui probablement s'exprime beaucoup plus à cet instant-là. Nice. Ouais, ça, il y a des DC de différentes hauteurs. Voilà. Ouais, fait que vous continuez dans la forêt. J'ose croire que Kyler, dans son insouciance, est le premier. Ingrid est pas loin derrière, par exemple. Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que Ingrid Kyler... hier, juste comme à pointer, il va par là. Ouais, mais Kyler, c'est parce qu'il est pas ébranlé, fait que c'est pour ça que je dis que j'en ai rendu insouciant. C'est du sens, en effet. Ouais. C'est le fun parce que ça m'informe sur l'ordre de marche. Oui, absolument. Mais ce serait probablement Kyler, Ingrid un petit peu en arrière, mm-hmm. puis Victor. Un Victor qui est comme juste super réticent, puis il fait juste avancer parce que vous êtes trop loin. ouais, fait que ça, vous continuez à suivre les traces. Les traces de. Du construct, c'est ça? Ouais. Oui, on peut l'appeler comme ça. Mais... Ben non, mais ça, c'est pour ça que je demande à Kyler. Oui, c'est la. Tu avances en suivant ces traces-là. Vous les suivez encore un certain moment. À un moment donné... là, dans le fond, il doit être à peu près... attends, je vais regarder mes notes. Là. Fait que vous avez suivi ça. OK, vous êtes parti du camp à 8 heures. Vous avez traqué pendant 2 heures. Vous avez essayé de retrouver la trace pendant comme presque une heure. Là, vous avez suivi cette trace-là pendant... Ben, on a trouvé les traces assez vite, là. C'est ça. J'ai juste pitché une heure, là, mais ça peut être comme une demi-heure, là. Puis c'est ça. Ensuite, vous avez continué à traquer pendant une heure. Donc là, il doit être... 11h30. Ouais. Fait qu'il est bientôt comme le zénith. On arrive à midi bientôt. C'est ça. Ouais. Bientôt le zénith. C'est ça. Fait que dans le fond, vous, Kyler, tu ouvres la marche. Mm-hmm. Vous continuez à. J'ose croire que vous avez comme investigué pendant un bon demi-heure, 45 minutes aussi. Là. Ça va ressembler à ça, en effet. Ouais. Donc, je vais mettre 30 pour être généreux. Puis ensuite, ça. Là, dans le fond, vous, comme je dis, vous continuez dans la forêt à suivre ces traces machinales. Pendant une heure et demie, à peu près... vous êtes comme sur un promontoire, plus ou moins, où ça descend, puis vous voyez comme à travers les arbres
la pointe du toit du Briar Bridge, au loin. La pointe du toit du Briar Bridge qui est déjà... Le Briar Bridge est un pont couvert très long qui passe par-dessus une rivière dont le nom m'échappe, qui sépare Kessig de Nephalia. OK. La raison pourquoi c'est le Briar Bridge, c'est parce que les bords de cette rivière sont principalement des plantes épineuses. Qui sont quand même très dangereuses. Mm-hmm. Et c'est ça, dans le fond, le pont couvert, c'est un des seuls moyens de transiter sans devoir faire le tour par Gavonie. OK. Ou même par pâté. Et les traces? Les traces, dans le fond, continuent, mais c'est juste pour dire que, dans le fond, le relief de la forêt descend, comme pour une vallée, mettons. Oh ouais. Puis c'est ça, d'entre les arbres, vous pouvez voir comme la cime, la pointe de l'entrée, dans le fond. Ok. Je suppose que c'est un landmark, par manque de mots en français. C'est un point de... Oui, oui, c'est absolument. Là, je veux dire, toi, tu l'as probablement déjà vu d'un bord, Ingrid l'a vu de l'autre. Tyler l'a probablement jamais vu, je sais pas. Mais c'est ça. Si je vous demande pas de perception, c'est parce que je veux que vous le voyez. Oui, non, c'est super. Mm-hmm. C'est un beau, c'est un beau flavor. Il y a un petit zoom là, entre les arbres. Puis... Ingrid arriverait comme sur le... à la falaise, si on veut. Puis elle serait comme... Ce pont est la limite où mes connaissances s'achèvent. Passer ce pont, je ne connais pas la forêt. Bon à savoir. Bon, prends-tu un moment? Puis Kyler sort des rations de son knapsack. Puis il distribue un petit peu à Victor et Ingrid. On peut prendre une petite pause ici, mais je vais quand même garder l'œil ouvert pour voir si je verrai pas des mouvements dans les arbres, dans les forêts. Voir si on peut pas apercevoir cette créature. On pourrait être tout près comme la créature pourrait avoir traversé le pont. C'est dur à dire pour l'instant. Tout à fait. Puis, quand elle prend un boucher de sûrement des fruits sèches, des noix, comme bon, pour manger ça en continuant. Allons-y. Ouais. Donc, on va continuer à traquer. L'absence de réponse de Victor provient du fait qu'il est au-devant du promontoire mentionné et qu'il regarde le Briar's Bridge. Non, c'est pas de la crème glacée, c'est le Briar Bridge. Briar. Est-ce qu'on aime la crème? C'est qui Briar dessus, pis c'est genre une pub. C'est pas le bon. Il y a une cône. Le pignon, c'est un cône placé. Ouais, exact. Désolé. Oui. Oui. Donc, il est sur le promontoire et... La seule chose que vous voyez, c'est qu'il... Il ne répond pas, mais... La manche de son bras droit semble frotter son visage. Lorsque il se retourne, oui, son œil a toujours une lueur verte pour celui qui semble maudit, mais l'autre est devenu rouge, sans être illuminé, seulement irrité.
chance. J'étais comme, t'as-tu un power que je connais pas? Non. Un rouge, disons un œil injecté de sang. Ah, je pensais une conjonctivite, mais ok. Et en serrant un peu plus de la mâchoire, Victor dit... On prend 15 minutes rapidement. J'ai pas envie qu'il traverse le pont. Non. De l'autre côté, vos connaissances se terminent. Et les miennes débutent. Tan tan tan! Oh, eh bien, au moins on ne sera pas... On sera pas pris de court si on a traversé le pont. Non. Et nous ne serons probablement pas les seuls après cette chose. Ouais, faudrait toujours garder vigilant à ce point-là aussi. Si ce n'est pas nous qui sommes après, ce seront les seigneurs de ces lieux qu'ils seront. Seigneurs de ces lieux? Les seigneurs de la côte. Es-tu en train de parler des Wizards of the Coast? C'est eux qui gardent le pont de Briars. Ah ouais. Seigneur. Lord Christopher Perkins. Call me Lord. Et Baron Jeremy Crawford. Ford. Les deux ont un accent british. Ouais. Et c'est tout ce qu'il dira à ses propos. D'accord. Ok. D'accord. Fait qu'il y a un silence qui s'installe pendant que Kyler se pitche des fruits secs dans la forme de son masque. Tout en ratant de multiples reprises. Ouais. Ouais. Ton sac est gros de même parce que t'en manques le trois quarts. Ouais, fait que dans le fond, vous continuez le chemin après 15 minutes. Descendez la pente. Les pas, de temps en temps, ben, vu que c'est une pente, vous pouvez faire un investigation sur les traces, dans le fond, les traces de pas. Une personne qui a avantage, parce que j'imagine que les autres peuvent aider, là, ou guidance, je sais pas. Je vais laisser Ingrid traquer. Mm-hmm. Donc, tu as avantage et je vais essayer de... Victor tente le plus possible d'éviter, en descendant la pente, tout ce qui semble être moindrement une perturbation du sol. Ouais, et Kyler va se guider lui-même, puis il va faire son propre recherche. Ok, c'est bon. Nice. Ouf. 6. Alright. J'ai un 15. Ok. Mieux! Good, c'est à faire. Ouais. Puis t'avais help, c'est ça? Ouais, j'avais help, mais bon. Ok, fait que Kyler, c'est difficile à traquer. C'est un peu comme avoir des lunettes de plongée puis tu vois juste devant, là, fait que... Moi, je dis que c'est parce qu'il y a des raisins d'informe de poignée. Ouais. Ouais, aussi. Non, non, mais dans le fond, c'est que en descendant, justement, avec ta vision limitée, faut que tu regardes spécifiquement où tu t'en vas parce que tu pourrais planter. Fait que... Aussitôt que tu regardes, mettons, les traces de pas, puis tu fais des, tu descends la pente, elle est très accidentée. Il y a forcément des branches qui naturellement vont tomber dans le chemin quand elle chute des arbres. Ça limite ta capacité à te concentrer sur la piste en tant que telle. Ok. Et ouais, c'est ça dans le fond. T'as de la misère à vraiment comme garder un œil dessus. C'est sûr, tu vois les pas, les traces, mais t'es pas là d'inférer quelque chose dessus parce que tu veux pas te péter la gueule. Ok, sure. Par contre, Ingrid,
Parce que t'as eu combien spécifiquement? Je m'en souviens. 15. 15, ok. Donc, avec ton 15, tu remarques que la démarche en tant que telle a changé à cause de la pente. Souvent, il va y avoir comme les deux pas qui vont atterrir. Tu sais, c'est un peu. Il y a des il y a une pente, mais c'est pas une pente constante. Des fois, faut que tu sautes par-dessus tu passes par-dessus un objet, comme un tronc ou une roche. Des fois, c'est comme une dénivellation, comme un escalier un peu. Okay. Puis c'est ça, de temps en temps, tu vois comme les pas, les traces qui arrivent à pied joint. D'autres fois, ça a l'air d'accélérer quand c'est une pente droite. Ce qui te fait penser que c'est peut-être une créature qui est top heavy, là, comme la plupart du poids est en haut. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Ok. Mais comme vous descendez une pente, votre avancée se fait un peu plus vite sans être un fast pace. Mm-hmm. Puis vous avancez pendant, je dirais, une autre heure et demie quand vous arrivez à une certaine distance, vous pouvez me faire un perception, les trois. Est-ce que je suis encore dans la forêt? Ou on est rendu? Oui, non, t'es encore dans la forêt. Il y a de la forêt jusqu'à la berge quasiment. Ok, parfait. Mm-hmm. Une chance. 15. Mm-hmm. J'ai eu 19. C'est un 16 pour moi. Ok. Donc, tout le monde, vous entendez une cloche retentir dans le. Une cloche qui provient du pont lui-même. Et. Donc on reconnaîtrait peut-être cette cloche en tant que telle. Ou... Oui. Ben, je veux dire, ça dépend si votre personnage a déjà utilisé ou si vous avez entendu des. Comment le fonctionnement du. Ouais. Je suppose que si on est de la région. Ouais, ben. A déjà entendu ou du moins a connaissance de ce signal. D'accord. Alors, vu que c'est un pont couvert, quand même très long, qui passe par-dessus la rivière, il a été fait en sorte que c'est une seule voie. Alors, quand il y a des piétons qui veulent passer d'un côté à l'autre, pas de problème. Mm-hmm. Quand c'est une charrette, il faut sonner tirer une corde à un côté. Il y a des cloches à certains intervalles qui sonne pour alerter la personne, dans le fond, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, qu'il y a quelqu'un qui veut passer dans l'autre sens. Donc pendant qu'on descend... Ouais. Et si et vous dites que si vous l'avez entendu, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'en vient de votre bord ou quelqu'un qui s'en va de l'autre, mais ça, c'est sûr que ça l'a alerté comme tout le monde dans le coin. Okay. Et sur ce... On va finir la session. Bing! Que je dirais que Victor se retourne vers Ingrid et fait mm-hmm. juste lancer la cloche du Briarbridge. Oui. Oui. Il y a quelqu'un sous le pont. Puis le générique fait.